Et coucou tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live, on n'est pas au quatrième jour, attendez, je vais changer, bougez pas. Comme d'habitude, j'oublie. Marathon, dernier jour. Voilà, hop, vous avez rien vu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce dernier jour de marathon. On va discuter tranquillou en début de live, mais on va pas tarder. Je vais mettre 5 minutes top chrono et après on se met au boulot parce qu'on a beaucoup de travail. Coucou à Croctune, coucou Roulia, coucou Gekmou. J'espère que vous allez bien et il me semble avoir entendu tout à l'heure. Oui, merci à NCATSU pour le follow, merci énormément. Bienvenue par ici. Donc voilà, aujourd'hui normalement on finit les 4 illustrations qui nous restent. Voilà, normalement, on va y arriver, j'espère. En tout cas, j'ai tout préparé, j'ai même nettoyé ma palette pour l'occasion. Coucou Nicoméo. Bonsoir Grognac aussi également. J'ai nettoyé ma palette, j'ai tout qui est en place, normalement, on est bon. Je pense qu'on va commencer par la guerre en réalité, par le dragon sur le thème de la guerre. Après, on fera celui sur les litres de porn. Oui, je sais, si vous n'avez pas le contexte, c'est terrible. Ensuite, Disney et pour finir, le marathon animé. Voilà. Donc, c'est le programme du jour. Beaucoup de boulot. Et voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de sport parce que j'ai trop mal aux jambes. Vous vous rendez compte que j'ai juste fait 5 km hier et 5 km avant-hier sur un tapis de marche. J'ai couru genre un petit peu, mais j'ai surtout marché vite. Et j'ai très mal aux jambes. C'est terrible. Même avec le contexte, c'est terrible. Ah bon? Bah avec le contexte, ça va mieux, non? Les litres de porn. On comprend que c'est pas des litres de porn au sens littéral. Quoique. En tout cas, aujourd'hui, Spotify ne fonctionne toujours pas. Donc, nous avons Kingdom Two Crowns en termes de musique. Je vais peut-être changer après, mais pour le moment, on va garder ça. Les tapis de marche me donnent la motion sickness. Ah merde! C'est chiant ça. Moi ça va, c'est à la fin. Par contre j'ai le, tu sais, tu marches et t'as la sensation que ta tête va, que tu vas aller plus vite, que t'es projeté un peu en avant, c'est très particulier. Une crevette toute pourrie digérée par un penko géant et réincarnée en slime. J'attends le stade suivant. Incroyable, incroyable cette transformation. Même si tu galères, c'est déjà super, Zou. Puis tu vas vite faire des progrès. Oui c'est ça, ce que je me dis. Puis je vais essayer d'alterner aussi parce que normalement t'es censé pas faire du sport tous les jours et enchaîner, sauf si t'es en très bonne santé. En tout cas pas faire le même type d'exercice tous les jours. Et donc faudrait que j'essaie d'alterner. Faut que je passe 5 km, puis des bras, puis autre chose, puis 5 km. Essayer de trouver un autre rythme. Mais pour le moment c'est la première semaine, donc j'essaie de. Je vois, je vois. Et en tout cas, ce soir je vais au cinéma voir Twister. Voilà, j'ai hâte d'aller voir, j'ai hâte de voir, ça va être chouette. À la fin, t'as la tête qui tourne et le monde va vite. Oui, c'est assez particulier. Mais c'est chouette, ça me fait du bien de refaire le sport. Et comme je le fais pour une médaille en plus, c'est extrêmement motivant. C'est extrêmement motivant. Est-ce que vous êtes prêteux pour finir le bestiaire? Finir, c'est un grand mot, mais faire toutes les illustrations du bestiaire. Je pense du coup que la semaine prochaine, on se fera peut-être un petit live bestiaire aussi, mais. Ou peut-être pas, je sais pas encore. Soit on fera le Elden Crapaud et on continuera Elden Crapaud, soit on fera une des illustrations retouche, remake, pour le bestiaire. Je sais pas encore, on verra. Peut-être que j'aurai envie de faire une petite pause. C'est vrai ce que tu dis, il me semble que c'est moins grave pour l'endurance et cardio si t'en fais plusieurs jours d'affilée. Mais il me semble que c'est moins grave pour l'assurance cardio si t'en fais plusieurs jours d'affilée, sinon je serais grave dans la merde avec le vélo. Ouais. En fait, c'est juste que si tu fais genre si tu fais bosser que tes jambes à l'infini, t'as juste des courbatures qui finissent par te paralyser. Après, j'imagine que oui, si t'es un sportif ou si t'as l'habitude, ça va. Moi, pour le moment, je ressens juste le truc que 2 jours d'affilée de course, enfin de marche rapide slash course, j'ai du mal. Donc bon. Faut que j'essaie d'alterner aussi pour pas qu'il y ait de l'ennui. Mais grâce au super podcast Murder She Wrote, j'espère que vous êtes allés voir. Je vous mets la pression, mais en vrai, il n'y a pas d'obligation. Mais grâce à ce podcast, en vrai, j'ai une super campagne D&D à écouter pendant que je fais mon sport. C'est trop bien.
Mais du coup, la semaine prochaine, je vais aussi m'inscrire à la salle qui est à côté du boulot pour faire plus d'exercices. Cool! Trop bien, Gekmou! Trop cool! Me suis abonné, mais toujours pas écouté. Ok. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Parce que quand t'auras un peu de temps, tu te diras, ah, pourquoi pas? Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de visuel, donc pour le coup, tu manques vraiment rien si tu fais que écouter pendant que tu fais une autre activité. Bon, il est. Ça y est, ça fait 5 minutes, les gens. On va se lancer parce qu'on a beaucoup de trucs à faire. Donc, je mets le flush-flush en place. Je tourne tout. Et on va direct se mettre à dessiner, on va discuter en dessinant. Mais je vais essayer d'être très focus aujourd'hui. Hop. Je mets le micro par là, on tourne tout. Et c'est parti. D'habitude, je commence pas aussi vite, mais là, je suis toute petite. Ok. Alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit bien? Donc, dans l'idée... Dans l'idée, cette illustration, ce qu'il lui faut, c'est juste rajouter les petites couleurs et les éléments que je veux mettre, les petits détails sur les dragons. J'aimerais bien que lui, il ait des plumes rouges et brunes un petit peu, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il y a de la décoration sur les dragons. Mais je veux pas ramener trop de détails non plus, donc on va essayer de rester dans des tons assez gris, assez sombres. Essayer d'assombrir un peu plus les nuages, de venir améliorer les éclairs aussi. Allez, c'est parti. Donc déjà, préparons la palette. Hop. Ok. Je vais être en mode très, très concentré aujourd'hui, les gens. Du moins, je vais essayer. Mais n'hésitez pas à balancer des sujets de conversation. Je rebondirai avec vous. Hein, mais je vais me concentrer sur le dessin à donf, histoire que on arrive à finir le challenge. Je vous demande quelque chose, d'après vous, les éclairs, on est d'accord qu'ils sont blancs, hein? Parce que souvent dans les fictions, les éclairs, ils sont pas blancs, ils sont jaunes ou bleus, ou tu sais, ils mettent toujours une teinte un peu dessus. Mais on est d'accord que de base, les éclairs, ils sont juste blancs. C'est de la lumière, c'est tout. Bah comme ça, dis plutôt... Attends. Bah comme dit plus tôt, j'ai fini Ico juste avant le live. Oh la vache, tu l'as fini vite en vrai, non? Tu l'as fait en une ou deux journées, même pas? Si? C'est trop bien, c'était cool de se replonger dedans du coup. Ico, j'ai entendu beaucoup de critiques en mode... un peu comme Shadow of the Colossus, genre... trop bien, mais un peu longué et un peu... genre un peu chiant sur certains aspects de gameplay, mais peut-être que je me trompe parce que j'y ai jamais joué. Hein. Moi, je te dis juste ce que j'ai entendu sur le jeu. Toujours un plaisir, c'est une masterclass. Ah ouais, trop bien. C'est un peu bleuté, non? Ça dépend de l'atmosphère, je suppose. Bah moi, je les imagine bleus en général. Mais là, je sais pas trop, je pense que... On va rester sur des tons très blancs parce que j'imagine qu'on est très proche et que du coup, la foudre, elle est un peu éblouissante. Et j'aimerais bien que les seuls détails de couleur soient sur les dragons. Pour lui, je sais pas trop quel truc. J'aimerais bien qu'il soit dans une espèce de turquoise pour avoir un côté genre un bleu et un rouge. Ce sera un peu cliché, mais ce sera pas mal, je pense. Ok. Alors, prenons un pinceau et commençons à détailler ce dragon. Donc, je pense déjà que je vais essayer de... faire ressortir les éléments qui sont en cuir, parce que pour moi les dragons ils sont de couleur verdâtre mais discrète quoi, les deux. La couleur des éclairs ou ce qui nous paraît comme tel nous renseigne sur la composition de l'air, mais parfois sur la distance à laquelle nous les observons. Un éclair blanc signifie que l'éclair est plutôt sec, un éclair bleu signifie la présence de grêle. Oh, c'est trop classe ça en vrai. Bon du coup ce serait plutôt bien un éclair blanc du coup. Parce que l'idée, c'est que je vais essayer de rendre toutes les couleurs un peu ternes, sauf quelques éléments qui seront les plumes rouges et quelques éléments à droite à gauche, quoi. Voilà, là je vais commencer par faire un truc de cuir, mais un peu plus terne. Et on fera des espèces d'écailles vertes...
plus tard. Ça va être mon mode concentration, les gens. Hop. Mais je savais pas du tout pour les éclairs, dis donc. Je pensais que c'était un effet de style, en fait, la couleur, mais pas du tout. Ok. Sachant que celui-ci aussi va être beaucoup moins détaillé. Et on se rappelle, hein, trop de détails tue l'illustration, donc on va éviter de trop charger non plus. C'est juste plutôt offrir des beaux contrastes que j'ai envie de faire. Ok. Faudra qu'on trouve aussi des noms pour les dragons. Si jamais vous avez des idées pour un dragon natif américain, en soi, je sais pas s'il y a beaucoup de dragons dans la culture natif américaine. Ils ont sûrement des sortes de dragons, mais je sais qu'ils ont les Thunderbirds et tout ça, ils ont beaucoup d'animaux, mais ils ont les Wendigo, mais qui se rapprochent plus du cerf et tout ça. Je sais pas du tout s'ils ont des créatures qui ressemblent à des dragons ou qui ont des attributs draconiques. J'en sais rien du tout. Ok. Voilà. Je vais prendre un plus petit pinceau encore. Un éclair violet indique qu'Odin rôde dans les nuages. Trop bien. Plus d'infos, je ne savais pas non plus. Plus d'infos, un éclair rouge indique de la pluie dans l'air. Un éclair bleu lorsqu'il y a de la grêle. Un éclair jaune indique une quantité importante de poussière dans l'atmosphère. Un éclair blanc est un signe d'un air très sec. C'est trop cool. Putain, ça c'est un trivia que je ressortirais. Je trouve ça assez stylé. Ok. Faisons une espèce de vert très très fade. Donc, on commence par faire du vert et on met un max de blanc. Et une touche de noir. Hop. Ok. Je pense que celui-là, il va être vert un chouï plus foncé, juste pour les différencier un petit peu. Ok. J'essaie de réfléchir à comment je les appellerais ces dragons-là, mais je m'y connais vraiment pas en nom de la culture natif américaine. J'aime bien juste l'anecdote où les chevaux, il me semble, en langage natif américain, il me semble, hein, c'est peut-être une connerie, vous allez me dire. Que en fait les chevaux ils ont été importés donc en fait ils pour les appeler ils leur donnent un nom composé, c'est genre chien élan, genre tu sais plus petit qu'un élan mais plus grand qu'un chien, du coup ils l'ont appelé genre chien élan. Je sais plus c'est quoi exactement les les noms, mais j'aime bien cette idée là, le côté ils n'avaient pas un nom précis pour eux, du coup ils les ont appelés par un truc composé. J'aimerais bien jouer avec la transparence des ailes là comme j'ai fait, mais peut-être insister encore un peu plus après.
Voilà. On est bon. Alors que je me refasse du verre juste après. Et on va aussi venir créer des contrastes un peu plus intenses après sur la peau. Putain, j'ai essayé de choper le vert de ma palette, mais qui n'existe pas malheureusement. Avec un tout petit peu de noir. Voilà. Ok. Faut que je vienne le rendre un chouï plus jaune et un chouï plus blanc. Le vert, attention, tu vas invoquer Nekour. Mais là, je le fais bien, attention. Là, j'ai fait mon propre vert avec mon bleu et mon jaune. Donc, Nekour peut être fier de moi. Je vais essayer de venir améliorer cette teinte là aussi. Et après, je viendrai, je pense, blanchir le centre des ailes et peut-être mettre même des petites vénules pour donner cette impression, les ailes sont à moitié transparentes. Ok. Du coup, tu vas l'invoquer pour qu'elle te félicite. Bah ouais. Moi, je veux. Moi, je suis quelqu'un de simple, vous savez. Je veux juste qu'on me donne des compliments, c'est tout. Hop. Zou, faut voir l'éclair à travers les ailes. Ah, j'avoue. Très bonne idée, ça. Je l'aurais éludé, mais c'est une bonne idée. Ok. Donc ce vert-là est pas mal. Maintenant, je vais faire un vert plus sombre. Exprès pour pouvoir teinter d'autres parties du corps. Plus sombre que ça encore. Plus sombre. L'important, je pense, c'est vraiment que je reste dans des couleurs ternes, parce que si je fais quoi que ce soit de trop flashy à des endroits où je veux pas, ça va vraiment casser mon effet, je pense. Ok. Je sais pas si tu vas réussir à le faire par contre. Ça, c'est pas dit, oui, c'est sûr. On verra. Écoute, qui ne tente rien n'a rien, hein, c'est le proverbe. Hein.
J'aime bien que ce soit vraiment des clichés, ces dragons-là. C'est vraiment genre des dragons verts. Dragon vert, quatre pattes, une paire d'ailes. C'est vraiment les classico-classiques. Bébou dragon. Hop. De temps en temps, ça fait du bien de dessiner un dragon classico-classique. Plus, la musique est parfaite, j'avais besoin d'une musique bien chill là. Au début, je m'étais dit, je vais peut-être mettre du Zelda Ocarina of Time, mais c'est trop agité, j'ai pas envie de ça. Ok. Maintenant. J'ai oublié de faire l'aile du haut, je vais faire ça. Ça. Après, je pense que je vais me laisser encore un peu plus de temps pour améliorer les nuages, juste parce que actuellement on voit trop le grain du papier. Si je l'améliore un petit peu, je peux faire un truc encore un peu plus voluptueux. Dans 20 minutes, la playlist va drop une soundtrack de Dark Souls, on va rien comprendre. Heureusement, normalement, ça boucle sur les musiques. C'est plutôt qu'à mon avis, on va réécouter les mêmes. Et peut-être qu'on va finir par s'en rendre compte. Pour le moment, ça va. Je sais pas exactement combien de temps dure cette playlist, je pourrais pas regarder, comme ça je me mets pas l'esprit dessus. Ok. Voilà. Ok. Elles sont pas mal les ailes pour le moment, elles sont jolies. Je vais essayer d'améliorer un peu le rendu des trucs en cuir. Ok. Maintenant, on va mettre du vert très sombre. Pour vraiment accentuer certaines zones. C'est parti. Et on reviendra mettre des highlights, bien sûr, là où il y a des nécessités. J'ai pas un pinceau plus fin. Si, j'ai sûrement un pinceau plus fin. J'en ai un. Je l'utiliserai après pour finir affiner encore. Ok.
Ok, très bien. Ça va être beaucoup ça pendant ce live, hein. Ça va être moi qui me valide toutes mes étapes et qui essaie de finir ce marathon en temps et en heure. J'espère que vous lurquez bien, que vous chillez bien dans le live, profitez-en. Hop. Voilà. J'ai un sujet de discussion que j'aime pas mais qui peut être sympa. Ah bah hésite pas du coup. Et une petite battle royale, vous avez bien raison. Ça réveille les battle royales. Je leur qu'en construisant du Warhammer. Trop bien! Trop cool. Profite bien, Croctune. Grognac, pardon. Excusez-moi. Hop. La bagarre. Vous voyez, ça a réveillé Roulia. Ok. Faut que je mette un highlight de l'autre côté. C'est quoi vos lectures du moment? Je lis pas de livres perso, j'aime pas ça. Livre, moi je vous dis par contre, livre, manga, BD, ça compte, hein. Est-ce que ça, c'est plus large du coup, si on dit ça, Croctune, pour toi? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent j'aime pas lire, mais par contre, c'est des gens qui lisent genre 3 kilotonnes de manga. Tout compte? Ok. Bah, moi, personnellement, ces temps-ci, j'arrive pas trop à lire, mais j'essaie de lire de la BD, là, parce que j'ai fini un roman. Vous savez, le roman que j'aimais pas, là. Putain, c'est le Coffee Stream qui a gagné! Coffee vous a démonté, je suis désolée. Mais du coup, là, ce que j'essaie de lire, je suis en train de lire une BD que un ami m'a conseillée qui s'appelle Siegfried, de Alex Alice. C'est une BD assez vieille apparemment, mais visuellement, c'est super cool. Je suis très contente de la recommandation et j'avoue que je kiffe bien. C'est très beau surtout, ça fait très Seigneur des Anneaux, mais avec une vibe BD française classique. C'est la deuxième win de Coffee Stream en Battle Royale aujourd'hui. Aujourd'hui? Pas, ils ont, il a, elle, Coffee Stream a pas déjà gagné deux fois. Il est badass, c'est ça. Il est trop fort, on n'y peut rien. Bon, j'aime bien les détails de ce dragon. Si, aujourd'hui. Putain, mais Coffee Stream qui triche, quoi. Je suis sûre, c'est de la triche. Je ne crois pas une seule seconde en sa puissance. Je vais essayer d'améliorer la silhouette un petit peu là. Pour pas qu'on perde le petit bonhomme. Du coup, personne ne lit dans le chat. Je sais pas où les gens ont l'air très posés. Là, je pense que tout le monde est un petit peu ailleurs, c'est pour ça. Mais dites vos lectures dans le chat. Si jamais vous n'êtes pas en train de lurker, n'hésitez pas à nous partager vos lectures du moment. Je sais qu'un des futurs livres que je dois lire, là, Alexis me l'a conseillé, c'est la biographie de James Cameron. Il paraît qu'elle est assez cool. Du coup, bah, je vais lire ça après, mais j'aime bien alterner. En fait, comme j'ai du mal à lire, souvent j'alterne entre un coup je fais une BD, un coup je fais un roman, puis je vais faire un autre truc, mais j'essaie d'alterner pour me faciliter un peu la life. Et mine de rien, ça m'aide énormément. Attention, j'essaie de faire l'éclair qui est visible au travers du truc. Je sais pas si c'est très parlant. Bon, déjà, je vais faire des espèces d'éclaircies un peu. Ok. Dans la lecture, la dernière BD, c'était Mécanique Céleste. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Mécanique Céleste, c'est marrant ça. Ça me dit un truc. J'ai l'impression de connaître cette BD, mais peut-être que je me trompe. Alors, on va essayer de faire un teint de peau. Pour le guerrier. Ça me dit... En fait, j'ai l'impression que c'est. Putain, je me souviens plus, c'était quoi? Les terres mécaniques, voilà, c'est ça. J'ai l'impression de connaître parce que ça me rappelle Les Terres Mécaniques, qui est une BD que j'aime beaucoup.
va pas mettre trop de détails sur le corps humain, bien sûr. En ce moment, je lis Les jardins statuaires de Jacques Abeille, très chill d'un voyageur qui découvre une contrée où on fait pousser des statues. Hein? C'est marrant, ça a l'air rigolo. C'est dans un monde post-apo. Ok, je connais pas. Cool. Ça a l'air cool. En lecture récente, j'ai bien aimé le nouveau manga Dark Souls. Il y a des mangas Dark Souls? Je connais pas du tout. C'était Alexis qui fait une première en parallèle d'un live. Oh non, il a fait ça? Bon, c'est trop bien. Allez voir si jamais vous avez envie de voir la vidéo, vous pouvez la mettre à côté du live. De toute façon, là, je vais pas beaucoup babasser. Mais Alexis fait une première pour sa prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Puis c'est pas grave, vous revenez sur le live juste après. Ok, je pense que je vais pas faire plus de détails sur le petit bonhomme. Je pense que c'est pas mal là ce que j'ai fait. Je vais faire les détails de l'autre dragon maintenant, qui va être un peu plus foncé. Mais on va essayer de pas faire beaucoup plus foncé non plus, quoi. N'hésitez pas à partager d'ailleurs, Croctune, si tu veux partager le lien de Alexis, sa vidéo. Comme ça, les gens curieux pourraient aller voir. Alexis fait des super vidéos de pensée critique autour du sujet des dinosaures, mais genre comment les gens qui ont des connaissances à la con ou des croyances cheloues utilisent le sujet des dinosaures pour dire de la merde. Et du coup, c'est assez intéressant comment ils traitent le sujet. Par plein de biais différents, hein, quand c'est des complotistes, des religieux qui utilisent le sujet des dinosaures pour valider des croyances cheloues. Et du coup, il fait des vidéos là-dessus sur YouTube et sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Et là, il est en train de sortir une FAQ pour les 10 000... Oui, c'est ça, 10 000 abonnés. Donc c'est cool. En lecture récente, j'ai déjà lu, ça commence en racontant l'histoire d'un clan et ça arrive sur un combat sportif en arène, ce qui était inattendu et c'était fun. Ah, cool. Trop bien. Ça a l'air fun, en effet. Le dragon, celui-ci, je vais vraiment pas plus le détailler que ça en vrai. Hein. Je vais rester ultra simple. Là, j'ai juste envie de mettre quelques highlights de zone où il est éclairé. Et après, on va se concentrer sur améliorer les nuages et tout. Et les lumières, surtout. Je sais pas du tout comment les dragons font pour voler au milieu d'une tempête avec des éclairs sans se faire foudroyer, mais on va dire que c'est logique, d'accord? Ouais, on va dire ta gueule, c'est magique. Je pense que ça va être le moyen de régler le problème. Ok. Maintenant, on va venir utiliser du sombre pour venir assombrir. Plus sombre que ça encore. Les dragons sont magiques, on le rappelle, bien sûr. C'est ça. Pour toute personne qui chercherait d'autres arguments sur le sujet, non, c'est magique. La musique s'est coupée, ne vous inquiétez pas, on continue, c'est bon.
Il est pas mal comme ça. Hein. J'ai même réussi à découper la silhouette du gars grâce au fait que l'aile était plus claire derrière. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir la FAQ d'Alexis, en vrai c'est chouette, même si bon, si vous le connaissez déjà, vous aurez peut-être pas beaucoup de nouvelles, mais bon, c'est bien de regarder les vidéos pour le soutenir. Là, je serais en train de la regarder si j'étais pas en plein milieu d'un marathon. Hop. Ah là là. Allez, respire, Zou, tu peux le faire. Maintenant, on va mettre les plumes rouges que je voulais mettre sur la tête de ce dragon-là. Et celui-ci, ouais, en vrai, je pense que je vais mettre des plumes bleues, mais pas beaucoup, quoi. Je vais essayer de rester subtil, quand même. Ok. Tends ton cou. Ah, je viens de penser à un truc que j'ai envie de faire. Je vois un truc qui est assez décoratif. Hein. Pour moi, c'est une parure de guerre qui porte. C'est quoi les commandes pour les boss? Je crois que c'est juste point d'exclamation boss. Si vous lancez un boss, je vais essayer de faire un appel parce que le temps de rejoindre pour rejoindre le boss est assez court. Donc quand vous voyez point d'exclamation boss dans le chat les gens, vous mettez point d'exclamation et la classe que vous voulez faire. Il y a priest, ranger, barbare, witch, voilà. Vous choisissez. Je sais plus exactement quelle classe il y a, mais en tout cas n'hésitez pas à partager. C'est pas ça, on teste et ça marche pas. Ah ouais? Il y a Bard aussi, bien sûr. C'est bizarre que ça marche pas. Normalement, ça marche. C'était pas boss. Et mettez point d'exclamation commande pour... Attendez, j'essaie, moi. C'est pas boss fight? Ah voilà, vous voyez, il y a un boss, donc c'est juste que vous pouviez pas le faire. Donc allez-y, choisissez votre classe. Il y a Ranger, Druide, Bard, Necromancer, Priest, Mage, Warrior. Allez-y. Allez-y les gens. Faut mettre point d'exclamation Join et ensuite Bard. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc vous mettez point d'exclamation Join et puis la classe que vous voulez. Voilà, Join Bard, Join Ranger, Join Priest, Join Bard, parfait. Et essayez de regarder un peu quand les autres choisissent une classe, essayez de prendre une autre, genre par exemple là c'est bien de prendre des druides pour pouvoir, des priests, si vous pouvez rajouter des priests pour pouvoir soigner les autres. Évidemment je sais, les premiers arrivés, les premiers sont servis, mais n'hésitez pas à prendre d'autres classes, comme ça vous êtes sûr de pouvoir survivre. Allez, on a besoin de prêtres s'il vous plaît, on a besoin de druides. Voilà, merci beaucoup à Yuri Domaï. Alors, moi je vais continuer. C'est parti, vous allez combattre le Pumpkinkin. Un jour on aura des boss personnalisés, hein, c'est dans le programme normalement. Je devrais faire ça cet été, on va voir quand est-ce que j'aurai le temps. Ok. Et allez-y, bonne chance! Démerdez-vous bien avec ce boss.
Faut que je prenne un plus petit pinceau là. Je vais avoir besoin de plus petit. Mais là je suis bien là sur ce dragon là. Je devrais le finir assez vite. Ensuite je pourrais passer au reste joyeusement. Voilà. On va mettre évidemment des petits reflets blancs. Je suis de la chair à canon, je vais au lavage. Bonne chance pour le fight, les gens. N'hésitez pas à regarder votre tour. Normalement, vous voyez qui est devant. Il y a des NPC aussi avec vous, je pense, parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Coucou, Piwiwanka. J'espère que tu vas bien. On est dans le marathon, là. J'essaie de me speeder. Pendant ce temps-là, le chat est en train de fight un boss. Normal, normal. Ok. J'aime bien l'idée, j'essaie d'imaginer un peu l'or et je me dis que genre chez les natifs américains, quand ils font la guerre, c'est genre ils choisissent deux combattants ultra badass avec leurs dragons et ils vont tous se battre dans les airs. J'aime bien ce côté-là. Et du coup, il y a genre un combattant qui porte la guerre pour tout le monde. Je trouve ça assez cool comme idée. Maintenant, je vais faire des petits détails. De l'autre côté, lui, il a des plumes bleues. Et sa décoration aussi est pas la même que sur l'autre dragon. Hop. Voilà. J'ai vraiment des détails très fins. L'idée, c'est de pas en faire trop. Il y a tellement de NPC qu'on voit à peine à droite. C'est vrai que je me demande pourquoi il met automatiquement plein de NPC. Ce serait mieux s'il n'y en avait pas. Je me demande si je peux les retirer, les NPC. Si genre je peux faire un mode en mode pas de NPC, les joueurs combattent tout seuls. Ce serait peut-être plus rigolo. Et à la limite, je réduis juste les stats des boss. Je me pencherai vraiment dessus quand j'améliorerai les trucs. De souvenirs, t'en as mis plus car on galérait trop. Ah ouais? Je m'en rappelle pas de ça, moi. Mais bon, peut-être. Alors, c'est parti pour faire... Je vais essayer de faire l'éclair à travers l'aile. On va voir ce que ça donne. Faut que j'arrive à le diluer suffisamment par contre pour que ce soit...
Là, c'est pas trop mal. On va essayer de faire des reflets aussi sur celle-là. Et après, on va améliorer les nuages et la foudre. Vous entendez les gens? Ah, sa barre de vie est pas mal en vrai là. J'ai l'impression que vous êtes une bonne équipe pour le moment. Bon, il y a beaucoup de NPC, mais... Je pense que je vais essayer de modifier ça. Hein. Si je peux mettre moins de NPC et juste baisser la violence des boss, ce sera très bien. Hop! Ok. Les NPC font tout le taf. C'est marrant parce qu'une fois on avait eu une battle avec... Ah mais non c'est vrai, il y avait eu plein de NPC mais ils étaient tous morts au fur et à mesure du combat. Ok, pas mal là-dessus. Je viens éclaircir derrière le guerrier, comme ça, ça va faire une espèce de halo lumineux. Comme s'il y avait un éclair qui était énorme, mais juste derrière lui. Vous avez réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tous morts? Vous avez gagné? Congratulations, the boss has been defeated. Incroyable, vous avez tous gagné 200 gold. Bien joué les gens. Bien joué d'avoir combattu le boss. Vous êtes très forte. Ok. C'est d'améliorer quelques frontières, pas mal. Le rendu est cool là. J'ai même pas eu le temps de jouer. Ah ouais, vous avez pas eu le temps de jouer? À cause des NPC qui ont détruit le mob d'abord. Ah, il faudra vraiment qu'on fasse le réglage des problématiques, là. Comme ça, vous taffez avec Alexis sur un concert... Sur un concert 2D? Oui. Oui, actuellement, on est en train de faire une animation pour un concert. Et c'est en 2D, et ça va être assez stylé. Je dois faire l'animatique, là, lundi, et après, voilà, ça va rouler. Mais on a beaucoup de taf cool là. Même là, aujourd'hui, j'ai une réunion pour un truc super cool. Je vous en parlerai sûrement fin août. Et c'est un truc qui sortira entre octobre, enfin au 1er octobre au 31 octobre. Pour tous les passionnés de jeux de société, ça pourrait vous plaire. Voilà. Faudra nous en parler quand ce sera fini. Ah bah bien sûr, j'espère bien. Plus, c'est un truc que j'espère bien aller voir, parce que c'est pas le genre d'événement auquel d'habitude je peux aller. J'ai un peu hâte de me dire, ça se trouve, je pourrais aller le voir et tout. Ça sera cool. C'est pas que je peux pas y aller, mais c'est que je prends pas le temps d'aller dans ce genre d'événement d'habitude, alors que j'aime bien ça.
Donc, ce serait un peu une. Un beau truc pour moi. Qu'est-ce que vous en dites pour le moment? C'est plutôt cool, hein? Je dirais que l'endroit que j'aime le moins, là, c'est là, avec l'aile, là. C'est mieux ce que je viens de faire, là. Hop. C'est classe, merci. Oui, trop classe. Je suis vraiment contente pour le moment. En fait, je trouve qu'il y a des zones qui restent un peu fouillies, mais ça va bien avec le côté en mouvement et tout. Je trouve qu'en vrai, ça rend pas trop mal. Voilà. Phew. Ouais, pour que ce soit du blanc absolu, il faut quand même passer beaucoup de fois. Hein. Après ça, on va rajouter des notes sombres. Et il est quelle heure? Putain, il va être déjà 19h, faut que je me maille le boule. Vous vous rendez compte que celle-ci, c'est celle où je devais mettre le moins de temps. Hein. Donc autant dire que là, ça va être très dur de finir à temps. Peut-être même impossible, j'ose le dire. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura quand même fait un max de belles peintures. Et on va les finir quand même après, donc... Hop. Voilà. Ok. On va faire du sombre maintenant. Et avec un peu de chance, ça va conclure notre illustration. Donc, il me faut un gros pinceau. Que je vide mon flush flush. Et on va faire du noir. Du noir gris, on va pas faire du noir absolu pour le moment. On va revenir après pour voir si on fait du noir absolu. Genre là par exemple, j'ai bien envie de d'assombrir un peu ici. Putain, j'ai une toute petite araignée, dis donc. Les gens, je crois que vous pouvez pas la voir, mais j'ai une toute petite araignée sauteuse. Désolée aux arachnophobes, vous la voyez pas de toute façon. Elle est juste là. Juste au-dessus de mon doigt, là. Elle vient de partir. Ah, oh, toute choupette. Elle est trop pitchoune. Excusez-moi, pour tous les arachnophobes, je suis désolée. Vous la voyez pas de toute façon, mais elle est choupette. Elle est minuscule. Genre, littéralement, je pense qu'elle fait genre... cette taille-là, en termes de gouttes. Ah, trop mimi, celle qui saute. Oui, c'est des... Mais je sais même pas comment ça se fait qu'il y en ait une comme ça dans mon atelier. Je savais pas qu'il y en avait des comme ça dans le coin. Je pensais que c'était genre des trucs de près des rivières ou... pas près des rivières, mais... Ah, attendez, faut que j'arrive à pas chier trop dans la colle avec mes...
Je peux chier dans la colle sévèrement si je défonce mes nuages. Désolé les arachnophobes, coucou Fruity. Hier on parlait du film Twister, même à Reims il passe pas en VO. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Damzouille et sa maman de 3 mètres de haut juste derrière toi. Bah, c'est pas grave. Ce serait une belle mort. Parce que j'avoue que j'ai pas spécialement peur des araignées, mais c'est vrai que les araignées, si elles étaient géantes, elles seraient juste un peu plus dangereuses. Mais dites-vous, franchement, les araignées géantes, ce serait dangereux, mais ce serait même pas... Et haute, ce serait même pas genre un quart de la dangerosité d'une libellule géante. Donc dites-vous qu'à partir de là, tout va bien. Si vous sachez qu'un truc que j'ai appris avec Alexis, que je trouve assez fou, c'est que la libellule, en termes de kill count, elle a une efficacité, genre, je crois, de 90%, quelque chose comme ça. Genre, 90% du temps, quand elle chasse, elle a sa proie. Elle ne rate pas sa proie. C'est vous dire à quel point les libellules sont flippantes de ouf. C'est beaucoup plus inquiétant qu'une araignée pour moi, je trouve. Par contre, c'est magnifique, une libellule. Les araignées aussi, cela dit, mais... Je peux comprendre que le physique d'une araignée rebute. Je peux comprendre, honnêtement. Bah, elle est partie sous mon pupitre. Bon, j'espère qu'elle ne mourra pas. Écrasée quand je ferai mes manipulations. Alors, j'aime bien ce que j'ai fait pour le bas des nuages. Là, je trouve que ça détaille bien. Mais les libellules ont un contrôle en vol de fou. Mais oui, c'est dingue. En vrai, les libellules, c'est un truc de malade. Tu vois une libellule voler, c'est pas comme les papillons où t'as un peu pitié d'eux parce qu'ils sont complètement aléatoires, tu vois. Enfin, complètement non, mais... Ils ont ce côté un peu à la cool. Alors que les libellules, elles savent où elles veulent aller et elles y vont. En plus, savez-vous que les libellules s'appellent dragonfly en anglais? Vous le savez sûrement tous, mais du coup, dragon, dragonfly, tout ça, on est à la maison, quoi. Les papillons, ils sont pas à la cool, ils sont terrifiants. Oui, mais après, je comprends. Le côté aléatoire aussi fait peur, parce que tu sais pas de quel côté ils vont te sauter dessus. Je peux comprendre ce point de vue aussi. J'ai un petit peu amélioré, pas surtout, mais ça améliore quand même un peu le bord. Par contre, va falloir qu'on s'arrête dans très peu de temps. Je pense que va falloir mettre se mettre un chrono, sinon on passera jamais à la suite en vrai. Hop. Voilà. L'araignée est comme Zou, elle fait des toiles. Oh, c'est vrai ça. En fait, c'est peut-être une pote artiste. Hein. Peut-être qu'elle a son petit atelier d'artiste dans mon pupitre. J'aime bien cette idée, c'est chou. À mon avis, elle est juste paumée. Elle se demande ce qu'elle fait là parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Elle est rentrée et elle est en mode genre... What is that place? J'ai trop envie de faire un truc. J'ai envie de faire des petites maisons à araignées. Je sais que ma maison, ce serait le cauchemar des arachnophobes. Parce que je veux faire des petites maisons à araignées dans mes toilettes pour qu'elles puissent vivre confortablement. Et avoir un vrai village d'araignées chez moi. Oui, je veux la musique, s'il vous plaît. N'arrête pas la musique comme ça, s'il te plaît. Voilà. Ok. Le rendu de l'élu commence à être cool. Je pense que je vais pouvoir bientôt m'arrêter là. Quoique je devrais m'arrêter là, en vrai. Vous en dites quoi, les gens? On s'arrête là? Il est 19h, ça nous laisse 1h30 pour toutes les autres. Ah, en vrai, on l'a fait en 1h. Bon, c'est pas si mal. On va s'arrêter là pour celle-ci et on va passer aux autres. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche. Et je pense qu'en vrai, elle est quand même très très stylée. Peut-être que je l'améliorerai, on verra, mais pour le moment, je la trouve cool.
Ensuite, donc, on va pouvoir la laisser sécher sur le côté pendant qu'on s'occupe de celle-ci. Et oui, on pensait qu'on arrivait au bout de quelque chose, mais non, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Alors, j'ai fait tomber un pinceau, non? J'ai même fait tomber deux pinceaux. Continuons. Elle est très classe, oui. Coucou, coucou Enerposix, coucou du Lurk. Alors, c'est parti, on va remettre de la peinture. Donc là, il nous faut du brun, on en a, du rouge, on en a, du vert et du jaune, on en a, très bien. Du jaune et du bleu. Hop. Ok. Donc, on va commencer par elle. On va les mettre, enfin elle. En vrai, je pense pas que c'est des dragons, on s'en fout, ils sont dangereux. Mais ceux du fond, on va commencer par ceux-là. Je vais juste mettre un tout petit ton. Ok. Donc je pense qu'on va essayer de rajouter des tons clairs surtout. Avoir des araignées ou des moustiques, choisis ton camp camarade, c'est ça, exactement. Bah franchement je préfère les araignées, hein. Les araignées elles me piquent pas, elles me font rien. Juste elles se baladent. Genre là elle est venue voir mon dessin, elle a fait « Oh, damn, un dessin !» Et après c'est barré. Oui c'est comme ça que parlent les araignées si vous posiez la question. Ok. Je vais essayer d'éclaircir du coup le corps. Genre par exemple les espèces de petits poils dorsaux là. Je vais mettre un petit œil noir. Putain, j'arrête pas de faire tout tomber les gens. Ah ! Bon Dieu. Faut que je bois de l'eau aussi. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est tellement propre qu'à mon avis, ça va pas mettre énormément de temps. Je pense que ça devrait être assez rapide en vrai. Alors. Faisons un ton, genre, une espèce de orange clair, pour venir faire des petits détails. Hop. Mettre un peu plus de jaune. Ils sont trop pipous, mes Emela en tout cas, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, mais je les trouve pipous. Venir faire juste des tout petits détails un peu sombres pour faire ressortir les yeux, la bouche et tout. Voilà. Bien le coucou le marais, j'ai encore pas eu la notif. C'est trop bizarre ça. Je sais pas du tout pourquoi des fois Twitch bug. Peut-être parce que c'est possible, je me dis, ça se trouve, tu sais,
t'es abonné à plusieurs personnes et genre, tu sais, quand t'as deux personnes qui font un live en même temps, du coup, la notif, ils font une notif pour deux et du coup, tu vois pas, c'est possible. Ok. T'as des rêves de texture que tu veux donner au dragon? Coucou, merci beaucoup Alexis Lali qui se réabonne pour son 4e mois. Coucou à toi, bonsoir. J'espère que tu vas bien, merci pour ton réabonnement, ça fait plaisir. T'as des rêves pour la texture que tu veux donner au dragon? J'ai pas de rêve, mais je vois à peu près ce que je veux faire. Pour le coup, je m'inquiète pas trop. Je devrais peut-être, mais... J'ai juste envie... Déjà, celle du fond, je leur fais pas vraiment de texture, je leur fais juste... des petites écailles. Comme ça. Oh, elle est sur mon carnet de dessin. Désolée les gens, je... Attention, alerte arachnophobe. On ne la voit pas à l'image, mais... Voilà, sachez-le, j'ai une araignée. Elle vient de jumper sur mon micro, sachez-le. Putain, j'adorerais pouvoir vous la montrer, mais comme... Elle est sur mon micro. Voilà, être chill. Ça se trouve, elle va passer entre mes pages et à un moment, elle va se faire écraser. Comment on l'appelle? Donnez un nom à l'araignée. Non, je veux pas la voir, vous inquiétez pas. Trop mignon, une petite, une toute petite, comme j'ai dit, elle est genre même pas... Vous voyez la taille de mon pinceau, là, elle fait la moitié. Elle est vraiment toute poutoute. Marguerite! Marguerite, c'est chou. À tout moment, elle se met à nous parler. Oh, ça se trouve, c'est mon familier. Je suis trop contente. Les gens, j'ai un familier. J'espère que vous n'êtes pas trop jalouseux. C'est moi où il y a un décalage image-son. Alors, il y a toujours un tout petit décalage, mais normalement, non. Attention. Je suis hyper jalouse. Désolée pour le bruit. Oh, j'ai fait peur à l'araignée! Quoique... Ça m'entend ou pas, une araignée? Je trouve qu'elle a juste sauté, hein, je sais pas. Zéro décalage, ok, très bien. Draconis. Alors attention, je vais m'occuper maintenant de faire les écailles sur lui, sachant que les deux au premier plan, ils ont des couleurs un peu fofoles. Il y a un petit... S'il y a un décalage, pour refresh le live. Ok. Elle a senti le vent. Oh, la pauvre poupette. Oh, je l'aurais fait peur, zut. C'était pas mon but, petite araignée. Je t'aimais. Tu es mon familier, Marguerite. Morissette, je vais l'appeler Marguerite. Voilà, vous avez tout gagné. Alors, on va faire quelques petites écailles sur son dos. Peut-être prendre un plus gros pinceau. Essayer de détailler un peu sous son ventre. Et du coup, j'ai envie qu'ils aient des couleurs un peu funky quand ils sont en mode brut. Il y avait un petit dessin animé avec une araignée trop cute quand j'étais petite. Quand t'étais petite ou Lucas l'araignée? Après, t'étais peut-être petite quand il y avait Lucas l'araignée, c'est possible. Mais moi, ça me fait penser à Lucas l'araignée. C'est le même genre d'araignée. Désolée aux arachnophobes, c'est pas votre live. Est-ce qu'elle est sous mon dessin? Elle est pas là. Elle est pas là non plus. Bon, bah, je sais pas où elle est. Elle a peut-être sauté sous mon livre. C'est possible. J'espère que je vais pas écraser Morissette sans faire exprès. J'aimais bien le voir. Non, quand j'étais petite, vraiment. Azalée l'araignée, peut-être. Je connais pas du tout, pour le coup, Azalée l'araignée. Ça me dit rien. Ok. Mais c'est pour ça que l'idée de faire chez moi des petites maisons à araignées dans mes toilettes, c'est pas une bonne idée, parce que... Par exemple, ma meilleure amie est arachnophobe, si je lui dis qu'il y a des toilettes dans mes araignées... Enfin, qu'il y a des toilettes dans mes araignées. Qu'il y a des araignées dans mes toilettes, je pense que jamais elle viendra chez moi, vous voyez. Après, j'ai envie de vivre ma meilleure vie de sorcière, vous comprenez? Moi, j'adore les araignées, moi. Non, mais pour Marguerite. Azalée l'araignée? Azalée comme nom de... je vais déposer ma lettre de démission au marais si Zou montre une de ses araignées de ses morts. T'inquiète pas, de toute façon je pense qu'elle est tellement petite que tu l'as... Je pourrais te dire que c'est un moucheron que tu diras oui, en vrai. Elle est tellement mini que je pense même pas que tu vas vraiment la voir à la webcam, donc t'en fais pas. T'inquiète. Vous en faites pas, vous la verrez pas direct.
C'est vrai que j'adorerais avoir une pet cam. C'est les streamers qui ont une caméra pour leurs animaux de compagnie. Sauf que moi, je vous montrerai mes escargots. Bon, là, ces temps-ci, ils sont pas dans la meilleure des formes. Du coup, ce serait pas le meilleur moment pour vous les présenter. Ils sont un peu chassés par les algues ces temps-ci. Ils sont censés les manger, mais là, il y en a un peu trop. Faut que je me dépêche parce que là je passe 1000 ans sur la texture en vrai et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne texture, c'est juste que je cherche ce que j'ai envie de faire. Un terrarium avec un drap dessus quand les invités viennent. Oui, ça marche aussi. Mais l'idée c'était d'avoir, tu sais, le genre d'araignée qui te mange tous les insectes là, qui te mange les mouches. C'est pour ça que moi je veux des araignées chez moi. Je veux pas spécialement des araignées en terrarium, hein. Moi je veux des araignées en liberté. Juste des araignées domestiques. Vous savez qu'une araignée... Non, vous savez quoi? Il y a des arachnophobes, je vais pas faire ça. Mais j'adore les araignées et j'étais sur le point de vous partager des petits fun facts, mais j'allais dire un fun fact qui allait terrifier les gens. C'est pas mon but de vous terrifier, d'accord? J'ai un rideau devant ma fenêtre, je l'ai pas ouvert depuis un an. Maintenant, il y a un deuxième rideau de toile derrière. Du coup, j'y toucherai plus jamais de ma vie. C'est chez elle maintenant. J'avoue. Tu veux pas les déloger? Je comprends. Putain, elle est passée où, Marguerite? J'ai claqué dans mes mains, elle est partie à la vitesse de la lumière. Ça montre bien qu'elle est... Elle est terrifiée. Enfin, terrifiée. Elle a pas envie de mourir quoi. Les araignées ça mange la moustique, alors c'est bien, bah oui. Mais c'est, de toute façon, quand des gens sont phobiques de quelque chose, t'as beau avoir les meilleurs arguments du monde, ça change rien, hein. t'es phobique hein. Je pense qu'après tu peux toujours guérir ta phobie en faisant des stages et tout ça, mais tout le monde a pas envie de le faire, c'est pas... C'est pas un truc hyper important, ni super agréable. Voilà. Ok. Il recommence à ressembler à quelque chose, pas mal là. Après on va mettre les couleurs. Voilà, la première est finie. Je peux revenir souffrir ici. La première est finie? Je préfère les moustiques aux araignées. Oh, tu préfères la... Ah oui, la première de Alexis, pardon, excuse-moi. Mais tu préfères les moustiques aux araignées? Putain, au moins les araignées, elles ont la politesse de rien dire quand elles viennent chez toi. Les moustiques, ils font un max de bruit et en plus ils te volent ton sang. Et en plus de ça, mais bon. Je sais, t'es phobique. C'est exactement comme les gens qui ont peur des chats, tu vois. C'est genre, toi tu leur dis, mais c'est gentil un chat. Enfin gentil. Ça peut être mignon un chat. Et je pense que ces gens-là préfèrent être face à un requin qu'à un chien. Qu'un chat. Cela dit, les requins c'est trop pipou aussi, hein, mais bon. Je dois avoir un problème, je trouve tous les animaux pipou, moi. Sauf les libellules. Et les mantes religieuses et les émeux. Ok. Et les scorpions aussi. Là, les scorpions, j'arrive pas. Je sais que c'est bizarre parce que les araignées, oui, mais les scorpions, non. C'est un peu paradoxal, mais les scorpions, ça me fait vraiment peur. Ok. Les scorpions, j'ai pas peur, moi. Bah ouais, les scorpions, moi, ça me fait vraiment peur. Et pourtant, je comprends que les scorpions, c'est rarement agressif et que c'est pas très grave de se faire... Enfin, la plupart du temps, c'est pas grave. Mais je sais pas, ça me...
je déteste leur... Pareil, les mantes religieuses, ça ne représente aucun danger pour l'homme, hein, mais... Je n'aime pas leur corps, j'aime pas leur présence, je trouve ça effrayant. Ok, on va refaire des petites plaques en haut. Et après, on va faire des petites... les petits trucs de couleur, les petites boules de couleur pour le dragon. Faut que je fasse sa corne aussi. Les scarabées, c'est mignon. Ouais, les scarabées, c'est mignon. Perso, si ça a plus de 4 pattes, égale démon. Je sais pas, je... Une coccinelle, c'est un démon ? C'est vrai que les coccinelles, c'est des prédateurs, après tout. Vous voulez savoir ma théorie? Je pense que si vous avez peur des insectes, ou si vous avez peur d'un insecte, c'est parce que dans votre vie précédente, vous étiez un insecte, et que vous avez été mangé par l'autre. Si vous avez peur des fourmis, c'est parce que certainement que vous étiez un scarabée qui s'est frité avec une fourmi et qui a perdu. Si vous avez peur des araignées, c'est que vous étiez un papillon. Si vous avez peur des papillons, c'est que vous étiez un puceron. Non, c'est que vous étiez une petite fleur. Voilà, vous étiez une petite fleur et vous vous êtes fait lécher le bulbe par un papillon et ça vous a traumatisé, ce qui est compréhensible. Moi, je me suis certainement fait manger la tête par une mante religieuse quand j'étais un insecte et du coup, on n'est pas potes, hein. Coucou Véliciane et coucou, je passe en coup de vent pour voir ton avancée, j'espère que ça se passe bien. Ça se passe bien, on en a fini une sur quatre. je pense que le marathon va être un peu dur. Mais on finit à 20h30, voilà, on va essayer de faire le max qu'on peut. Et puis au pire des cas, voilà, hein, on aura bien tenté. Hop. Bon courage alors, merci Véliciane. Oh punaise, la taille de la fourmi pour gagner contre un scarabée MDR. Eh, les fourmis, elles gagnent en groupe. Les fourmis, elles sont trop stylées. Les fourmis, elles font des élevages et tout ça. Elles se battent contre beaucoup plus gros qu'elles. Les fourmis, c'est trop fort, d'accord? Donc, voilà. Si on a peur de mourir, on était sûrement dieu. Mais c'est ça, on a été un dieu à un moment. Qui sait, vu le nombre de dieux qui a existé, hein, ça se trouve, au bout d'un moment, ils sont dead et ils se réincarnent, tu sais. Moi, ça va être ma croyance. Je pense que je vais faire une secte basée sur cette croyance-là. Ça me paraît raisonnable, en tout cas. Je vois pas comment faire d'autre. Ok. Je vais faire l'intérieur de sa gueule qui est censé être... Il y a des petits bouts de peinture là cachés dans mon pinceau. Toujours un très mauvais moment. Voilà, et on va pouvoir passer au gros aplat de couleur. Ah si, je vais faire la corne d'abord, j'ai oublié. Ah, si je peux faire ça, ça peut être pas mal de faire un petit... petite variation de couleur sur le truc. Pas aussi stylé que les abeilles qui dansent pour communiquer, ça c'est vrai. Vous avez déjà vu des fourmis se battre, c'est trop stylé, elles utilisent des stratégies de groupe. Non mais c'est fou, j'ai vu il y a pas longtemps que y a les fourmis, elles se auto-check en groupe pour vérifier si elles ont des maladies. Et t'avais une fourmi comme ça qui avait une jambe infectée et t'as une autre fourmi qui est venue lui arracher sa jambe pour l'aider. C'est fou non? Eh, c'est pas votre meilleur ami qui va vous arracher la jambe pour vous sauver hein. Votre meilleur ami sera en mode « Ah oh, putain, merde, je crois que t'as acquis cette l'eau. Ça a l'air bizarre. Eh ben bonne chance, hein. Si vous aviez un meilleur pote fourmi, vous aurez déjà arraché la jambe. Comme un vrai bro. »
Il va falloir beaucoup de couleurs hein, pour... La nature, stylé. Allez, Damsou, on fait une IRL. On n'a pas le droit de communiquer autrement qu'en dansant. Ce serait fou, en vrai. Ce serait n'importe quoi. Surtout avec moi, icône de... Icône de la performance dansée et de la tchatch. On remarque peut-être que je m'en sortirais mieux si je parlais aux gens en dansant. Ou alors je serais tout aussi cringe. Je sais pas. Je serais peut-être toujours aussi awkward. Ok. On a mis du jaune. Vrai bro, gros miam hurlé en hurleg. Bah oui. Les vrais bros, ils font ça. J'aime bien aussi quand, vous savez, les fourmis, elles se check pour vérifier si elles sont bel et bien, si elles sont bien et bien des bros. Et, ou des cis. Et si elles découvrent, tu sais, genre, elles se tâtent les antennes et à un moment, elles découvrent qu'elles sont pas du même groupe de potes et du coup, elles commencent à se tataner la gueule. Ça, ça me fait aussi beaucoup rire. Je pense qu'il faut que je passe plus de couleurs dégradées. Attendez, je vais faire un truc. Ça, ça me fait rire aussi. Le côté genre, hé, hey, salut! Wow, t'es qui? Comme les gangs. Putain, c'est des Kaira. Ouais, ou c'est des... Ouais. Je sais pas si c'est des Kaira, parce que... Je pense que dans un gang, tu viens pas taper un check à quelqu'un d'un autre gang pour vérifier s'il est bien de ton gang, tu vois. Par contre, ça fait plus milice organisée, quoi. En mode genre, vos papiers, s'il vous plaît. Ah, tirons-nous dessus, maintenant. Pour moi, c'est des royaumes. Pour moi, ouais. En fait, l'échelle des fourmis... Le niveau d'organisation qu'elles ont, leur niveau d'hierarchie, c'est beaucoup trop poussé pour pas juste être un gouvernement. C'est juste ça, hein, les fourmis. C'est des mini-gouvernements ultra badass. Alors pour le moment, c'est un peu flou, mais je pense que ça va commencer à devenir stylé au bout d'un moment. C'est un mélange entre des gros rhinocéros et des caméléons, ce que j'ai fait. Who's this coming into my house? Merci beaucoup à Nicocourt qui follow, merci énormément. Les fourmis dans les bois à côté de chez moi, elles font 1 cm, on a tous peur. Coucou Snow Mime. Coucou Snowmim, merci beaucoup. Coucou. Et merci Nico Kout pour le follow. Excusez-moi, j'étais perdue. Mais ouais, en vrai, les fourmis, je pense que c'est un peu comme les libellules, c'est un peu sous-estimé comparé à leur puissance possible. Bon, on n'a pas revu Marguerite, la petite araignée. Je pense qu'elle a fui hors de ce monde. Elle s'est dit, non, mais il y a trop de bruit ici. Je pensais que c'était chill, mais non. Ok, on va mettre du vert maintenant. Alors que je repasse après avec d'autres... Avec la couleur de base. Bonsoir Nicocou.
C'est l'heure du beurre, Damzou. C'est l'heure du beurre, bah allez-y, lancez une battle royale. Si vous le pouvez, ça se trouve, on vous dira non tout de suite. Hop. Voilà. Damzou, faut instaurer des quotas sur les Nico. C'est vrai que ça fait déjà 3 Nico. En plus, c'est Nico court, c'est un mélange entre Nico et les cours. Mais ça va. J'ai juste différentes façons de vous appeler chacun. Il y a Super Nico, il y a Nico Méheu et il y a Nico court. Ça va devenir compliqué au bout d'un moment, je vais finir par vous confondre comme mes frères et sœurs. Oui, je confonds mes frères et sœurs. Merci beaucoup à chaque pour le follow. Bienvenue par ici. N'hésitez pas, les nouveaux, si vous avez des questions. On est sur un marathon. Qu'on n'est pas sûr de réussir à remplir les objectifs, mais on s'amuse bien. Et honnêtement, la première élue a été très très cool. On a encore 3 à finir. Et on n'a pas fini le bout de celle-ci. Donc autant dire que ça va être compliqué. Alors, j'aimerais bien faire du rose maintenant. Et après, je pense que ce sera tout. Oula, c'est peut-être un peu intense. C'est un peu intense, mais bon. Elle a Veskill Galouche. J'ai Veskill Galouche? Excusez-moi. Galouche. Pardon. Et bien joué à Street Wolf qui remporte la Battle Royale et 500 gold. Bien joué à toi. Maintenant, tu es Street Wolf le sanguinaire. Bienvenue. Ça aurait été encore Coffee Stream qui gagnait, j'aurais halluciné. Hop. Allez, je me concentre les gens, faut pas que je perde le rythme. Avec un peu de chance, on pourrait réussir à en faire au moins 3. Ça me paraît impossible, mais... Parce que vous vous souvenez de la quatrième qu'on a à faire, on a tellement de trucs à corriger. Lol, je viens juste de rentrer. Et bah, c'est comme ça. T'arrives tout juste et bim, tu gagnes. C'est comme ça, la magie du marais. Ok. Alors, j'essaie de faire du... on va reprendre la couleur de base de la créature pour repasser par-dessus pour donner l'impression qu'il y a une espèce de transparence. Ma fortune a été légalement gagnée, bien sûr, bien sûr. Comme tous les milliardaires, en soi. C'est légal. Ok. Attends, ce qui me rend dingue, c'est que j'ai encore celui au premier plan à faire. Et quand je vois le temps que m'a demandé celui-ci... Allez. Voilà. Ok. Je me concentre, les gens. L'effet que j'essaie de faire est mine de rien un peu compliqué, parce qu'encore une fois, c'est de la transparence, donc... Youpi d'essayer de faire des trucs compliqués. On va reprendre du blanc, essayer de faire une couleur un peu... claire. Voilà. Très bien. Ok.
Et là, ce qu'on va devoir faire pour que ça marche, c'est venir avec des pointes de couleur. Moi, même si je vais pas faire des pointes de blanc, en fait, pour faire... Ouais, falloir tester. Hein. Avec les couleurs, c'est magnifique. Ben, merci beaucoup. Je suis pas encore tout à fait satisfaite. Et comme j'ai dit, hein, même si c'est un marathon, réussir l'illustration, c'est plus important que de rusher et de finir à temps. Merci beaucoup à Eishimaru qui follow la chaîne, merci beaucoup, bienvenue par ici, n'hésite pas si tu as des questions comme les autres, et puis voilà, profite bien. Hop. Faire des petites écailles qui brillent par endroits. Faudra pas oublier de faire ses yeux après. Pour le moment, il a un peu une tête de gogo, hein, mais c'est normal. Ok. Damzou, Damzou, encore un follower et on sera à 666. Oh, trop bien! Ah bah non, on est déjà à 668. Je crois que vous avez un petit peu de retard. Mais c'est vrai, ça! On a passé les 666. Merci, les gens! Merci beaucoup. Ça fait grave plaisir, en vrai. Je suis pas trop le nombre de followers qu'on a, j'oublie un peu. Mais ça fait trop plaisir, en vrai. Ok. Je sais pas si je réussis tout à fait l'effet que je veux. Je me dis qu'il est peut-être... en fait, ça fait pas assez transparence. Mais la transparence avec la gouache, c'est pas encore un truc que je méprise. Que je... que je maîtrise. Peut-être que j'aurais dû me focus sur une couleur, ça aurait été mieux. Peut-être. Coucou, j'ai découvert ta chaîne via SM, je suis passée depuis une rediff pour follow avant de voir que tu étais en live. Ça a l'air trop cool ce projet de bestiaire, c'est quoi le brief de base? Alors coucou, merci beaucoup Eishimaru, ça me fait trop plaisir. Alors en gros, le brief de base c'est qu'en live on avait créé une liste des choses qui sont des dragons et des choses qui ne sont plus des dragons, qui ne sont pas des dragons. Et ça a donné une liste extrêmement sérieuse et complexe qui ont déterminé que le ventilateur était un dragon, que les lamas sont des dragons, les tracteurs sont des dragons. Par contre, la banane, la poule et les mauvais... Attends, c'était quoi? La banane, la poule et j'en avais un autre. Et les drones avec des lance-flammes ne sont pas des dragons. Du coup, à partir de ces thèmes, je me suis donné le défi d'imaginer des dragons. Et au fur et à mesure, en fait, ça a donné un univers un petit peu cohérent. Et l'objectif final, c'est d'en faire un vrai bestiaire où il y aura des explications avec des créatures, où il y aura un petit côté narratif avec une exploratrice qui explorera le monde et qui découvrira toutes ces créatures et qui fait des croquis au fur et à mesure de son voyage. Il y aura une petite histoire et voilà, le format du livre n'est pas encore décidé, mais il y aura un livre qui soit en digital ou qui soit imprimé. Moi, j'aimerais beaucoup l'imprimer. Et là, on est sur le marathon de fin, donc on a fait 28 illustrations en tout. Enfin, on en a fait 24, et là, on est en train de finir les 4 dernières. Du coup, voilà, c'est le sujet, et c'est ce qu'on essaie de faire, là. Et à chaque fois, chaque illustration, c'est un peu un petit défi, parce que j'ai commencé la gouache, enfin, j'ai commencé à travailler sérieusement la gouache pendant ces lives aussi.
Du coup, forcément, je découvre un peu des challenges à chaque fois, notamment avec la transparence, les nuages, voilà, différentes choses que je ne sais pas forcément faire, mais que j'apprends à faire en live avec vous. Voilà. Et à chaque fois, les créatures, c'est dans différents continents. Des fois, c'est des créatures totalement inventées. Des fois, par exemple, là, c'est inspiré d'une créature qui existe. C'est le Emela Ntuka, qui est un monstre africain. Et en fait, en gros, on s'est dit, on va prendre une créature qui correspond un peu au thème. Alors attention, les thèmes, des fois, sont très tordus. Du coup, j'ai dû un peu me retourner le cerveau pour faire... pour faire le sujet que je... le dragon que je voulais et qui soit à peu près sérieux malgré le thème. Et là, on a trouvé l'idée de cette créature qui est un dragon des plaines africaines. Faudra que je définisse... Je sais plus exactement où est-ce qu'il est, le MLA, en tout cas. Je définirai ça dans le bestiaire après. Et donc, voilà. C'est ça, le sujet. Et il y a les rediffs sur YouTube, évidemment, pour avoir tous les lives, notamment de la du marathon, et puis d'avant, quoi, pour chaque créature. Hop. Et du coup, là, le challenge qu'on s'est donné là sur 5 jours, c'était de finir les 4 dernières créatures qui nous restent en 5 jours. Alors, c'était beaucoup trop court, forcément, hein, c'est un marathon. Du coup là on sprint un peu, j'essaie de me concentrer pour finir avant 20h30, mais si j'ai pas fini c'est pas très grave, on continuera. L'idée c'était surtout de se donner un coup de boost pour la fin et de tout finir. Du coup le rendu idéal c'est un peu l'encyclopédie des dragons version plus loufoque, c'est très cool, merci. Le rendu final en fait, mon inspiration c'est vraiment les livres de dragonologie qu'on avait quand on était petit, j'en ai montré un hier en live d'ailleurs. Et en fait c'est ça que j'ai envie de reproduire, c'est ce côté alors plus qu'un côté loufoque, ça reste de la fantasy, c'est sérieux mais pas ultra sérieux non plus. Et à la fin du live on fait un petit tour avec toutes les illustrations qu'on a fait depuis tout le début, donc vu que c'est la fin là, en plus on va vraiment discuter de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc là, j'essaie aussi de retrouver un peu son visage, parce qu'à force de peindre dessus, j'ai un peu zappé. Hop. Mais il est pas trop mal, c'est pas tout à fait l'effet que je voulais pour le... Je pense que l'erreur, ça a été de faire toutes les couleurs. Je pense qu'ici, lui, je vais le faire seulement avec une couleur qui ressort. Je pense. Je pense. Ok. Voilà, on va revenir avec un truc un peu noir et sombre. Je vais prendre un plus petit pinceau pour faire les détails maintenant. Du coup, j'essaie un peu de speeder. D'habitude, je parle un petit peu plus en live. On essaie de faire des sujets de conversation un peu variés. Là, on va faire vraiment... je suis un peu plus en mode concentration parce que je veux vraiment essayer de finir à temps. Évidemment, si je finis pas à temps, comme j'ai dit, c'est pas un drame. Voilà. Et on avait une petite araignée tout à l'heure en animal de compagnie, mais elle est partie. Je lui ai fait peur. C'est pour ça qu'Alexis est meilleur que moi avec les animaux. Moi, je leur fais peur. sinon, ça n'a rien à voir, mais ton rôle dans Prague la Maudite est top. Merci beaucoup. C'est un de mes personnages préférés, en vrai. À jouer. Ah, ma musique s'est encore arrêtée. Oui, elle s'est encore arrêtée. Vas-y, continue. Ok. Alors j'ai encore quelques petits détails pour améliorer le tout. Faut que je mette des ombres maintenant assez prononcées, parce que j'ai dit que je voulais que le ciel, le soleil vienne d'en haut et vienne un peu écraser les silhouettes. Mais je vais me focus d'abord sur finir celui-là. Là. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore en train de... Tan, Super Nico qui a gagné le compas, d'où l'étoile est inaccessible. Bah ouais, elle était inaccessible. T'as la rage immédiatement. Damzou, je me fais bully par les modos. Oui, mais tu sais que je peux rien faire, ils sont comme ça.
Du coup, c'est quoi le rythme des lives habituels? Alors, généralement, ça varie beaucoup ces temps-ci parce que bon, mon planning n'est pas toujours hyper fiable, mais j'essaie d'être autour de 4 lives par semaine. Après, les dates, généralement, il y a tout le temps un live le samedi parce qu'on fait les Let's Play Endro, où je joue à Skyrim en faisant du dessin d'observation. Mais ça peut arriver que ces lives-là, je les fasse pas comme cette semaine-ci parce qu'on a fait un marathon. Il y a souvent un live le dimanche, mais cette fois-ci, il n'y en aura pas. Voilà, disons que si tu veux avoir le planning des lives, il est sur soit en dessous, là, dans les à propos, tu devrais avoir le planning de live de la semaine, qui est en description. Après, il y a sur Insta le planning des lives, donc voilà, il faut regarder, essayer de se mettre à jour. Je mets les updates sur Insta en général et j'essaie d'updater le Twitch pas trop tard pour que tout le monde ait les infos. Et en somme, c'est environ 4 lives par semaine. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, des fois, je peux pas. Des fois, je pars en vacances, ça arrive. Hop. Je vais essayer de remettre tout ça bien là, mais coucou à chaque. Profite bien de ton petit lurk si tu lurks et merci pour le follow encore. Alors. J'essaie de faire l'ombre sur lui. Je sais pas ce que ça rend, les gens. Vous en pensez quoi pour le moment? Beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. C'est vrai ça. D'où est-ce que vous venez tous teux? Parce que c'est vrai que c'est rare qu'on ait autant de personnes qui débarquent d'un coup. Est-ce que vous étiez sur un live? Est-ce que... En tout cas, merci beaucoup. Plaisir de voir des nouvelles têtes. Et du coup, bah, pour tous les nouveaux, sachez que ici, en gros, on fait une chaîne moitié art, moitié gaming. Des fois en mixant les deux, comme les Let's Play and Draw, et souvent en faisant soit du gaming, soit des live art comme ça, tranquillou. Ok. Je vais faire l'ombre sur celle du fond aussi. Si je me permets une remarque perso, je mettrai une petite ligne de lumière sur la partie droite, que les plans ne soient pas ultra définis. Oui, après, là, par exemple, c'est pas ultra... Enfin, j'ai pas fini, quoi. Après, si tu parles des highlights, j'en mets pas à l'infini non plus, parce que, bon... Mettre beaucoup de highlights, c'est aussi faire des lignes tout le temps, partout. Je préfère avoir un truc un peu flou et vivant plutôt que un truc hyper rigide. Mais, voilà. C'est plutôt sur le feeling général que je voulais un avis, c'est plus sur ça. Sur le reste, ça va, je me sens plutôt bien, je sais à peu près où je vais, mais c'est plus sur le feeling général. Je me demande où est-ce que je la conclue, quoi. Parce que j'aurais pas spécialement envie de... Faut que je passe à la suite, quoi. On va réussir à en faire que deux, par contre, hein, c'est sûr. Hein. Déjà, j'ai réussi à faire pratiquement 4 illustrations en 5 lives, pratiquement. Mais on aura surtout réussi à en finir 2 et à en commencer 4, quoi. En même temps, c'est beaucoup, hein, mine de rien. Pour moi, ça manque d'ombre, de contraste. Ouais. Je suis assez d'accord. Peut-être venir encore avec des ombres un peu plus violentes après. Hop. Je crois que c'est mon Dragal préf. Ah ouais? Il est trop beau avec ses couleurs. Bah merci. Après, c'est marrant, mais tu vas voir que souvent, le dragon préféré des gens, c'est le dragon sur lequel ils ont découvert les lives, où ils ont le plus été présents. Mais vous allez me dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça souvent. Souvent, c'est quand vous êtes là pour la création d'un dragon, bah du coup, vous le préférez parce que vous avez l'impression d'avoir plus participé à, ou vécu sa création. Alors, il me faut plus de peinture.
Moi, mon préf, c'est lequel du coup? Oui, c'est bon pour ceux qui étaient là depuis le début. Bon, peut-être que ça marche moins. Mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est peut-être moi qui me fais un délire. Mais j'ai un peu eu cette impression-là que quand les gens me disent ah putain c'est mon préféré, je me souviens j'ai débarqué à ce live-là. Mais c'est vrai que celui-ci est très sympa. Moi, je sais pas c'est lequel mon préféré parce que j'ai, je les regarde avec un peu trop de recul. Peut-être que le d'une certaine façon, le dragon pirate, c'est peut-être un de mes préférés parce que c'était très dur. On va tous les revoir après, hein, pour tous ceux qui se demandent de quoi je parle, on va les revoir après. C'était très dur à faire, du coup, le fait de le voir. Hop. Le fait de l'avoir fini et que le rendu soit vraiment cool, j'ai bien aimé. Moi, mon prof, c'est le retard de Zou, j'ai aucun souvenir de sa création. Ok, d'accord, bon, c'est peut-être moi qui délire, alors c'est pas spécialement par rapport au live où vous étiez le plus présent. Alors. C'est parti pour le premier plan. Coucou Mélorélie, bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. Mon préféré, c'est le pirate, mais je ne suis pas les lives, mais je ne suis les live dragons que depuis peu. Ok, bon bah écoutez, ma théorie s'écroule. Ce n'est pas du tout par rapport à l'ordre d'arrivée, c'est juste, c'est juste celui que vous préférez. Très bien. Merci beaucoup à Mélorélie, enfin à Super Nico qui offre un abonnement à Mélorélie, 22e abonnement offert sur cette chaîne. Merci beaucoup. Mélorélie, tu peux profiter maintenant de toutes les émotes. Re-bienvenue. Ok. Très bien. Peut-être remonter un peu le dessin là. Je sais pas si Margaret est en dessous. Est-ce que Margaret est là? Je sais pas, j'ai peur d'écraser mon dessin. Je vous dis, à un moment, on va découvrir une Margaret qui va sortir de une des pages du carnet. Faudra pas paniquer les gens, d'accord? Je vous assure qu'elle est tellement petite que vous allez même pas la remarquer. Margaret, c'est la petite araignée qui est venue squatter mon carnet de dessin. Ok. Très bien. Ce que j'aurais dû faire, c'est qu'ils soient dans chacun dans une couleur différente pour justement montrer le côté les couleurs permettent de montrer des émotions. J'aime bien cette gimmick-là. C'était dans Les Royaumes du Feu, le roman avec des dragons, là, les mêmes qui ont fait La Guerre des Clans. Ils ont fait. Ils ont fait un truc avec des dragons que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, je leur lirais bien juste pour le fun. Mais bref, du coup, dans ce truc-là, il y avait les dragons tropicaux, ils changeaient de couleur en fonction de leurs émotions. Je trouve ça assez cool. Margaret, c'est le dragon du marais animé. Mais oui, j'avoue, elle a plein de pattes. Elle bouge pas quand on la regarde. Elle a des gros yeux. Comparé à son corps, hein, comparé à son corps, bien sûr. Ce serait pas trop drôle si elle avait vraiment des gros yeux. J'aurais une petite googly araignée. Ok, alors. Il va être. Il me reste littéralement 40 minutes, les gens. Putain, je suis folle. Je me donne toujours des deadlines impossibles. Pense que je vais faire des feuilles qui passent devant ses pattes après. Ok. Et on va mettre, du coup, les couleurs avant de faire le clair. Je pense que ce sera plus cohérent. Et lui, je pense que je vais lui mettre que du jaune. Donc on va commencer par un jaune orangé. Il y a des chances pour que je réussisse beaucoup plus celui-là. Hein. Remarque, je pourrais repasser sur celui-ci. Hein. Rien ne m'en empêche. Ça me prendrait plus de temps, mais je me dis que peut-être ça en valait la peine. On va voir. Damzou, il y a Super Nico qui m'a ban injustement. Super Nico, explique-toi. Pourquoi tu la bannes? Vas-y.
Je veux une justification. Je t'écoute. Pourquoi tu abannes Nicomeu? Il m'a bombé. Voilà, c'était une bonne explication, c'est fini. La justice aveugle. C'est jamais injuste de ban Nicomé. Évidemment, j'espère que le ban n'était pas trop long. Tant que le ban est court, tout va bien. Si le ban était très long, là, on pourrait en discuter. Mais je ne pense pas que le ban a été très long. Je pense que je vais faire du meilleur boulot avec le deuxième. Je suis toujours ban. Ils me bombent tous, faites quelque chose, Damsou. Ah mais ça par contre, je peux rien faire, moi. Ah mais vous avez pas compris que moi, peu importe ce qui vous arrive sur le chat, je peux rien faire. C'est pas moi, en fait. Je ne contrôle pas. Je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe. Et c'est ainsi que Zou perdit sa communauté à force de laisser des personnes toxiques faire n'importe quoi. Je rigole, bien sûr, vous pouvez pas rien faire. Comment s'appelle le dragon marron en premier plan? Eh bien, c'est le Emela en tout cas. Il n'a pas de nom à lui tout seul, si tu veux. si tu veux lui en créer un, tu peux. Tu as le droit de lui donner un nom. Voilà. Ça y est, les gens s'entretuent dans le chat. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça qu'ils s'amusent, c'est ce qu'il faut se dire. Je vais me concentrer. Hop. Mais je pense qu'en effet, une seule couleur, c'est mieux. De toute façon, quand je pars trop en couille avec les couleurs, en général, ça se passe mal. Mais après, je... Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je le déteste pas non plus, le rendu, là. Hein. Mais... Je trouve juste qu'ici, c'est plus propre. Ça fait plus... plus efficace, en fait. Je trouve. Je conteste officiellement mon ban def accidentel. Très bien. Quels sont vos arguments? J'écoute. Pas fan du dragon multicolore. Ouais. Hein. C'est comme un furoncle. Je pense que je... Vous voyez, Damsou, Mel, je lui offre un abonnement, elle me bombe. Oui, mais c'est comme ça. On a dit que les bombes, c'était un signe d'amitié ici. Hein? C'est quoi l'effet d'une bombe? Bah ça fait voler le petit étard. Voilà, les petits étards qui sont ici là, ça les fait voler. Voilà. Ça n'a pas d'autre impact. Donc tu vois, c'est pour ça que je les laisse s'amuser, tu vois. Donc je pense que le dragon multicolore, en effet, on va le corriger. Je pense que ce sera pas mal. Et on va vraiment faire une couleur. Une couleur face à une autre. Voilà.
Ok. Donc là, je vais essayer d'assombrir encore un peu les pattes du bas. On peut faire une bombe sur soi pour la science. Tu peux juste faire une bombe à tes pieds, il me semble. Si tu fais juste une bombe, il me semble que ça te fait voler. Mais je sais pas si tu peux te faire une bombe, genre te notifier toi-même pour te faire une bombe. Tu peux tester. Ah oui, et les bombes coûtent des pièces de gold, mais t'inquiète. Si tu veux gagner des pièces de gold, tu peux en gagner pendant les combats, voilà, il y a plein de moments pour en récupérer. Tu peux challenger quelqu'un, espérer gagner et gagner du gold. Ok. Bon, il faut qu'on corrige le dragon multicolore. Au secours, à l'aide. Ah, mon dieu. Vous avez accroché mes lauréats. Vous pouvez, vous. T'es pas sur le dessin, donc Osef de ton secours. Ah oui, c'est la règle. Je me déplace que si vous êtes sur le dessin. Et encore, si vous faites ça, vous êtes pas gentil. Donc faut pas mettre sur le dessin. Who's this coming? Je suis désolée pour toi. Coucou, Odel Dieu. Merci beaucoup pour le follow. Merci énormément. N'hésite pas si t'as des questions, si tu débarques à peine, si tu te demandes c'est quoi ce bazar, pourquoi il y a des tétards, pourquoi tout le monde jette des bombes. Je répondrai à tes questions et le chat aussi, donc ne t'en fais pas. Ok. Donc là, c'est pas mal. Ok. Pourquoi Belle est coincée là-haut? Je suis désolée. Je te descendrai à la fin du live, mais là, ça me demande d'aller jusqu'au PC, donc je peux pas le faire de loin. Je serais obligée de me déplacer et j'ai pas envie. Alors, il faut que t'attendes. Alors, par contre, Super Nico, tu vas faire très attention parce que tu ne peux pas te scale, s'il te plaît. Tu vas cacher le dessin. Je vous préviens, si vous faites n'importe quoi, je vous réduis. Je vous mets en tout petit dans un coin et je vous êtes puni. Vous verrez même plus vos tétards tellement ils seront petits. Ouais, je suis gigantesque. C'est dangereux par ici, purée. Bah oui. Zou a parlé. Oui, vous scalez pas, vous prenez pas toute la place du dessin, sinon... Alors, si tu peux pas faire des trucs, c'est possible parce que t'as plus de pièces, Lexi Lely. Parce que si tu viens de commencer les lives, c'est possible que t'aies plus assez de pièces. C'est comme ça que je fais de l'addiction au live. Je vous mets un système de pièces d'or. Ok, j'ai encore un max de trucs à faire et on est à la fin du live, donc autant dire que on n'aura pas tout fini. Hein. Hop. C'est pas grave, on fera des prolongations. Pas cette semaine, hein, parce que je suis un peu éclatée et que un live par jour, c'est quand même beaucoup, hein, mine de rien. Surtout quand on fait du dessin tous les jours. Mais on continuera ensuite. Hop. Voilà, on mettra des highlights après. Ok, donc on va corriger le gros dragon multicolore. Et on va essayer de lui donner une couleur. Je pense qu'on va le mettre en rouge. Hein. Je pense que ce sera le plus évoquant pour l'émotion que j'essaie de faire ressentir. Une espèce de rouge-rose. Hop.
Et quand je me balance pas sur le dé... Sophia, je vais te faire bouffer tes rendus. Faites une battle royale, ça me paraît être le bon moment. Si jamais, bien sûr, vous pouvez. Parce que vous en avez peut-être fait trop de battle royale aujourd'hui déjà. Allez, petite battle royale, ça va vous calmer. Entretuez-vous 2 secondes. Désolé à tous ceux qui voulaient pas participer, vous y êtes. Le rouge était un bon choix, c'est une bonne couleur pour passer par-dessus les autres. Le rouge rose, toujours efficace. Qui c'est qui a gagné? Attends, elle est passée trop vite la Battle Royale. Qui a... Qu'est-ce qui s'est passé encore? La Battle Royale a pas marché? Damso Super Nico est devenu trop chaotique pour mériter une épée. Confisquez-la lui et permettez... remettez-la moi, j'en ferai sans doute un meilleur usage. Sans doute, sans doute. Oh, je suis toute seule. Ah oui, il y avait une... C'était buggé encore, ça arrive. Allez, voilà, un peu de sang, ça se fight. Il y a des medikits qui sont lâchés sur le terrain. De façon aléatoire, bien sûr. Battez-vous, battez-vous, allez-y, détendez-vous, laissez ressortir vos frustrations de la semaine. Attention, on en est où? Bon, il reste du monde encore, il reste du monde. Enerposix qui se bat contre Super Nico, Enerposix qui a explosé, il y a le Coffee Stream qui est encore là. Pitié, faut pas que le Coffee Stream gagne. Faut pas que le... C'est bon, Super Nico a éliminé le Coffee Stream, il ne reste que Super Nico et... Grégan? Non mais Grégan peut pas gagner. Grégan peut pas gagner. Non, pas encore un bot. Tuez-le. Oh yes, c'est bon. C'est bon, c'est Super Nico qui a remporté la battle. Bien joué à Super Nico. Vous êtes tous bien battus. Super Nico, tu gagnes le doux nom de Super Nico la sanguinaire. Ok. C'est mieux rien que là, hein. Rien qu'en modifiant un peu le rouge, pas mal. NTM, Grégor. Maintenant, restez calme. Voilà, maintenant on se calme. Enfin, aussi calme que vous pouvez l'être, quoi. En vrai, rien qu'en remplaçant le rouge, là, ça a tout de suite donné une meilleure gueule à Lilu. Je regrette absolument pas. Pas mal, hein? Hop. Ok. Le rendu est plutôt cool, je suis contente. Je trouve que... Bon, là, il va nous manquer des ombres, il nous manque encore quelques petits points de lumière. Et ça va être cool. Et on pine Nel. Non. Vous arrêtez de piner les gens, s'il vous plaît. Je fais une demande officielle. On ne pine plus, sinon je vous retire vos super pouvoirs. Ok? Moi, c'est comme ça que je gère une garderie de super-héros. Il est beaucoup mieux. Ah, et puis d'abord, c'est pas parce qu'il n'y a pas Madar que t'as le droit de me ban. Si c'est ça, je me corse. Vous êtes vraiment des enfants, c'est fou. Vous êtes des gosses. Ok. On va mettre quelques highlights là. C'est pas mal le rendu là, hein. C'est cool. Hein.
J'aurais pu en mettre un en vert ou une autre couleur pour trancher, mais je trouve que là, l'ambiance est cool. Le souci dans le chat, c'est les modos. J'avoue qu'on a une équipe de modos chaotiques. On va pas dire que Super Nico est particulièrement chaotique, mais je veux dire, on a Nekour et Gekmu qui sont aussi le chaos absolu. Croctune, c'est la plus disciplinée, mais elle a ses moments de chaos aussi. Donc, bon. C'est le chaos. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. C'est le chaos. Alors maintenant, je vais essayer de faire des ombres un peu. Et après, on va venir affirmer quelques zones avec du noir. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour pouvoir profiter des autres illustrations avant la fin du live, discuter un petit peu. Et on arrêtera le live là. Moi, je prendrais bien un gros pinceau là pour faire ça. Bon, je vais faire ça. Où sont mes gros pinceaux? Ils sont là. Gekmu est sage quand il n'est pas là. Gekmu, il est zéro sage. Gekmu, tout ce qu'il veut, c'est les étoiles et le basket. On le sait, hein. Pas mal comme ça. Je vais rajouter encore quelques highlights après à certaines zones. Je pense que ça aidera à faire ressortir certaines choses. Il y a vraiment un côté illustration animalière que j'aime beaucoup. On dirait un safari en fait. Et je pense que c'est exactement le mood que je voulais donc. Très bien. Je vais mettre quelques highlights, enfin quelques ombres dans les herbes pour donner un peu de relief. Et après, on va mettre des highlights. C'est cool comme ça là. Vous en dites quoi? En vrai, là, je suis vraiment contente du rendu. On va mettre quelques highlights dans les herbes. Dino Dance, let's go. C'est beau, merci Mélorélie. Dakimedoko, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Zou, elle est tellement concentrée sur le dessin qu'elle voit pas les tétards, que les tétards font les andouilles. Tant que ça me dérange pas, écoute, moi je continue, hein. Je vous embêterai pas si vous m'embêtez pas. Hein. Tant que vous venez pas mettre des tétards géants qui cachent le dessin ou piner sur l'écran, y a pas de raison qu'on s'embrouille. Ok.
Je vais mettre des zones de noir absolu, des toutes petites zones. Juste pour aider un peu certaines zones. Avec la lecture. Comme ça, en plus, ça rend certaines zones plus claires. Voilà, pareil ici. Bah, je suis vraiment contente, hein. Je trouve que les deux élus que je me disais qu'elles allaient être les plus réussies, elles sont très très cool. Il n'y a plus que les deux autres à finir. Ok. Ok. Bon. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Les gens, ce qu'on finit le live à 20h30, comme d'habitude. Vous inquiétez pas, les gens qui débarquent, on a quand même un petit truc à faire. C'est que, comme d'habitude, on fait le tour du carnet. Et comme on est sur le dernier jour du marathon, ça veut dire qu'on va vraiment passer chaque élu en détail. Parler de celles qu'on aime bien, celles qu'on aime moins. Et on a quand même deux autres élus à finir et des élus à corriger, donc dans tous les cas, il y aura toujours plein de trucs à refaire. Bon bah moi je vais devoir me grimer en chat, ne faites pas de bêtises. Je sais pas si t'as suivi depuis tout à l'heure Gekmu, mais il y avait plein de bêtises depuis tout à l'heure. Je pense que si on avait trois élus, si on avait que trois élus, elles auraient toutes été bouclées. Donc c'est un marathon vachement bien conclu. Ouais, c'est ça. C'était de toute façon beaucoup trop ambitieux de faire 4 élus en 5 jours, je le savais. Mais en fait, j'ai que des bases super bien avancées. Donc là, littéralement, le prochain live, la semaine prochaine, on continuera et on fera les deux illustrations qu'on n'a pas finies. En fonction de la vitesse, on en finira peut-être une ou deux, on verra. Je vais vous laisser le marais. Les grenouilles sont pas sages aujourd'hui, ça me fatigue. Bonne soirée. Mais bonne soirée à toi, Super Nico. Du coup, on a fini celui-ci, j'attends que ça sèche 2 secondes, et après on va pouvoir faire le tour du carnet. Oui, j'ai vu les bêtises, t'as vu hein, c'est n'importe quoi. Je suis très contente de celle-ci en tout cas, et du coup dans les illustrations qu'on a fait, on a fait celle-ci, qui est aussi très très cool. En fait elle fait beaucoup plus floue celle-là, mais j'aime bien le rendu. Tamzou, on me censure injustement. Oui, mais non. Vous faites la bagarre, vous réglez vos problèmes entre vous, d'accord? Bonne soirée à chaque. On avait celle-ci, qui est très cool en vrai aussi. Et on a du coup celle-là, qui doit être encore détaillée. Et on a encore voilà, quelques petits trucs à faire dessus, mais ça va pas être très dur. Et celle-ci qui va être très dure parce qu'on est parti du mauvais pied et que, mine de rien, pour le moment, le rendu, c'est pas ça. Mais je connais ce genre d'illustration, ça commence mal et au bout d'un moment, ça réussit bien. Les éclairs à travers la peau de l'aile rendent très bien. Ouais, je suis contente, hein, le rendu fait bien. C'est suffisamment visible et en même temps assez flou. Je trouve ça bien. Je suis assez contente. Ok, donc je pense que c'est assez sec. On va pouvoir faire le tour intégral du vestiaire, les gens. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu les illustrations depuis le début, c'est le moment. Donc celle-ci, c'était la toute première qu'on a fait. Donc pour ceux qui savent pas, on a commencé il y a 1 an à peu près. Peut-être un petit peu moins d'un an, ça doit faire peut-être 10 mois qu'on est dessus. On a fait 28 illustrations, et celle-ci, c'était la première sur le thème du crapaud cornu. Faudra refaire l'illustration de celle-ci, parce que c'était la première, on n'avait pas décidé un mode opératoire clair, du coup elle est pas extraordinaire. On la refera mieux. Mais l'idée de la créature est là, on a l'or, donc on refera celle-ci. Ensuite, on a celle-là, la vouivre, que je pense pas refaire. C'était celle qui a un peu marqué le début où on a commencé à travailler la gouache. Je trouve qu'elle est chouette, honnêtement. Je vais peut-être juste cacher, voilà, avant j'écrivais sur les trucs qui est complètement con. Maintenant, je le fais plus, donc je cacherai peut-être cette partie-là, je finirai éventuellement sur les côtés. Mais c'est tout. Donc la vouivre, qui était faite sur le thème de la vouivre. Ensuite, on a la tarasque. Pareil, il y a des petits coins de page à faire.
Donc on a fait la tarasque qui est un dragon français, mais cette fois-ci on l'a fait en mode japonais. Donc je suis très contente de celle-ci, elle est encore très cool, pas besoin de la refaire. Ensuite on a Ryu, le chat de Super Nico, donc le thème c'était un chat. Et on a fait un dragon inspiré de ce chat-là. Peut-être que je me dis qu'en termes de correction, je pourrais juste, faudra cacher ça, finir les bords. Et éventuellement, je mettrais bien un peu plus de blanc pour cacher certaines zones de crayonné, éventuellement. Pourquoi pas faire ça, à la limite. Voilà. Mais je pense qu'en vrai, elle a pas besoin d'être ultra... ultra cachée. Mon bébé d'amour, Dixit Nico, c'est ça. Ensuite, le Pepo, il est parfait, hein, il y a juste à cacher ça, et voilà, c'est le bébou ultime, il est beaucoup trop chou, qui était sur le thème des mauvais dragons. Donc on a pris le thème de mauvais dragons sur le côté, comme le panda est un mauvais dragon, l'idée c'est que c'est une créature qui est un dragon, mais qui a des caractéristiques un peu faiblardes, genre il peut pas voler, il a pas vraiment de cornes, il est pas du tout dangereux. Les Tarasques, c'est aussi un peuple méso-américain. Ah ouais? Je savais pas du tout. Ensuite, on a sur le thème du ventilateur, le dragon ventilateur, qui est donc cette créature-là. Je vais peut-être éloigner un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Juste un chouille. Voilà, comme ça vous pouvez voir le truc dans son entièreté. Voilà. Donc on a le dragon ventilateur, qui est une belle saloperie et qu'on a appelé le Ventir. Ou le Katla, mais du coup c'est un dragon qui est unique et qui est une belle saloperie, on peut le dire. Ensuite, on a sur le thème du lama le Huacos, qui est donc basé sur une tradition inca d'enterrer des petites statuettes de lama pour la prospérité, et on a fait de ce lama... le gardien de Axomama, la déesse des patates. Alors je suis très tentée de le refaire celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez les gens, mais je pense que je peux mieux le réussir maintenant. Parce que honnêtement, je trouve que la symétrie elle est pas parfaite. L'illustration derrière, le dragon est cool, mais je trouve que derrière c'est un peu bof. J'ai vraiment envie de la refaire, vous en dites quoi? Vous trouvez qu'il est au niveau ou est-ce qu'on devrait la refaire, en effet? Parce que je suis vraiment tentée. Hop. Si vous aimez les Illus de Lou, que les Illus, Zou en propose sur sa boutique. Ouais, n'hésitez pas à aller voir mon travail sur Ko-fi. Moi, je l'aime bien, mais quelques retouches, ça pourrait être cool. Le problème, c'est que des retouches... Est-ce que ce serait des retouches ou juste le refaire? Moi, je peux pas me prononcer. Pour moi, il est beau. Bon bah écoutez, je vais peut-être le laisser comme ça. Hein. Ou alors je le mets dans la liste des trucs à la fin et je me déciderai au dernier moment. Alors ensuite, sur le thème du tracteur, on a donc le Tracto, qui est un dragon à but agricole. Donc voilà, il est assez classique celui-ci aussi. Mais je l'aime beaucoup, le côté un peu rond et tout ça, avec de très grandes ailes, je l'aime très. Il est déjà très sympa, ok. Bon, bah très bien, on va rester là-dessus alors. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Il est très simple, mais très efficace, je trouve. Ensuite, sur le thème du casque de Enerposix, on a fait le dragon sonar, qui est un dragon, du coup, qu'on a situé dans les îles Canaries, je crois que c'est ça, et qui fait très chauve-souris dans l'idée. Et là, on a une scène de nourrissage avec trois dragons sonars qui sont en train de manger de la viande dans la main de quelqu'un. J'aime beaucoup cette île aussi. Et le fait qu'il y ait une main qui soit... à taille humaine, j'ai envie de dire. Je trouve ça assez cool. Ensuite, alors attention, mon chef-d'œuvre, c'est le dragon tofu, réalisé sur le thème du tofu, qui est un dragon du coup inspiré des dragons chinois, et qui est dans un restaurant et qui aide voilà, quelqu'un dans le restaurant. Faudra lui donner un autre nom au dragon tofu, parce que clairement, c'est pas censé être son nom. Faudra lui donner un autre nom, genre dragon de la chance ou quelque chose comme ça, on verra. Donc voilà, le dragon tofu qui est très très cool. On a passé 7 lives à le faire, donc mine de rien, ça fait genre 7 lives de 3h ou de 2h30, c'est quand même beaucoup. Ensuite, on a sur le thème de la caméra de Skyrim, on a le Budbringer qui est du coup. En fait, on s'est inspiré du côté la caméra de Skyrim quand tu t'arrêtes de bouger, elle tourne autour de toi.
Donc, du coup, c'est la Vanity Cam pour le thème exact. Et du coup, on a imaginé des espèces de dessins d'insectes dragons qui tournent autour de gens et tout ça. Vraiment beau, le tofu. Ouais, il est très cool. Il est vraiment très chou. Le dragon yakitori. Le dragon ébifrite. C'est vrai. On pourrait en avoir plein comme ça. Et j'aime beaucoup cette petite illustre. Je la trouve très chouette en vrai. L'ambiance fait très féerique. Je l'aime beaucoup. Ensuite, sur le thème de pirates, on a donc le dragon pirate, qui est un dragon des îles Cook. Et en gros, sur lui, il a tout un équipage de gens qui voguent et qui viennent détruire les navires, qui viennent essayer d'envahir les îles Cook. Et donc, le dragon est vraiment stylé. Le pirate, il est trop beau, OMG. J'avoue que quand je l'ai fait, je sentais pas en mode « il est super beau ». C'est le plus maîtrisé de tous, peut-être. Hein. En vrai, c'est vrai que toutes les textures sont relativement parfaites. Je pense que celui-ci, il est vraiment genre high level. C'est vrai que, en plus, j'ai pas eu trop de mal à le faire. J'ai galéré un peu, mais pas tant. Il y a le lot et tout ça. En vrai, c'est vrai qu'il est assez stylé. Puis en plus, il marave des anglais. Il est parfait. C'est vrai. Donc, les prochains dragons qu'on a à faire, donc il y a le marathon, sur le thème du marathon animé, on a celui-ci, qui n'est pas du tout fini. Sur le thème de la guerre, on a ces dragons-là, qui sont donc chevauchés par des guerriers natifs américains en Amérique du Nord, et qui se battent dans les orages, voilà, donc la guerre. On a sur le thème de Disney, une interprétation de Madame Mime, en mode dragon au Pérou. Non, en Argentine, pardon, c'est l'Argentine qu'on a choisi. Un dragon un peu chelou, qui a une apparence un peu repoussante. Mais j'aime bien la scène qu'on prépare, là, je pense qu'elle est assez féerique, ça va être assez cool. Donc il n'est pas fini, mais ça va être le sujet. Et pour finir, on a fait le Emela Ntuka, qui est le dernier dragon qui se trouve en Afrique. Et on a, donc le sujet c'était des litres de porn. Ceux qui n'ont pas la référence, je suis désolée. Mais du coup, on a décidé de détourner le sujet un petit peu pour que ce soit un peu plus moins drôle et plus réaliste. Et du coup, on a fait les Emela Ntuka pendant la période de reproduction. Et du coup, il ressemble à ça. Il a quoi dans les pattes, le dragon Disney? Il a des amas de chair et des tripes. Oui. Et si vous croyez que c'était fini, eh ben pas du tout. Absolument pas. J'essaie de faire attention quand je touche mon livre parce que j'ai peur d'écraser l'araignée. Hop. Là, on a vu tous les dragons, mais il reste tous les pas dragons, qui eux sont tous finis pour le coup. Donc on a la tasse d'Obraneko, donc c'était le sujet, on a fait un haut baquet, qui sera à refaire, hein, parce que du coup le style ne correspond pas, au style du livre en général. Ensuite on a le brachiosidre, qui du coup est inspiré du brachiosaure. Donc tout ça c'est pas des dragons du coup, c'est des monstres. Donc inspiré soit de monstres, soit des monstres totalement imaginaires, soit des réinterprétations de certains monstres. Ensuite on a le déodorant dragon, donc le thème c'était déodorant dragon, et on a fait le Dragodorus Icaris qui sera à refaire et qui est un acarien qui ressemble à un dragon mais qui n'en est pas un et il mange de la sueur, voilà. Et il est très cool, c'est juste que l'illustration est un peu en dessous en termes de qualité. Donc on la refera un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, sur le thème de la banane, on a fait la Yellowin, qui est un monstre en forme de banane, et si tu la manges, tu deviens mortellement allergique à la banane. Je sais pas pourquoi je commence toujours par allergiquement, pourtant j'arrive pas à le dire. Ensuite, un banger, hein, la Cocatrix, sur le thème des poules, qui est vraiment très très stylée. Celle-ci, elle est parfaite, faudra juste supprimer... les noms qui sont encore en haut. Mais voilà, la Cocatrix, elle est très très cool. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le retard. Donc le retard de Zou, c'était le thème, pour dire quand je suis en retard en live. Et du coup, on a créé le Delescargot, qui est un monstre imaginaire, qui est un seul escargot, donc là, qui en fait est une espèce de familier pour toutes les personnes qui procrastinent. Et en fait, il va toujours dans la direction où tu dois aller. Et en somme, le Delescargot, il est là, mais son esprit est là. Et en fait, là, c'est que des escargots fantômes qui se déplacent devant lui. Voilà. J'aime beaucoup ce concept. Il est très onirique, très différent des autres, mais je le trouve très cool. Ensuite, sur le thème des paillettes, on a fait le Yeti. Et du coup, on a plein de petites paillettes qui brillent dans la neige.
avec le Yeti qui est à la fois, qui est soit un guide, soit quelqu'un qui piège les gens dans la forêt en fonction de si ce sont des gens qui respectent la nature. Voilà, une très cool créature. Ensuite, on a, sur le sujet d'un drone avec des lance-flammes, un serpent de mer qui est utilisé comme carburant pour une espèce de machine volante qui jette des flammes. Le familier des procrastinateurs, ah bah, c'est pour ça qu'il y a de la bave partout chez moi. Bah oui, tu as juste un délescargot chez toi. Ensuite, sur le thème de l'eau en forme de dragon, on a le Makara, qui est un monstre indien qui existe vraiment, et qui est considéré comme la monture de la déesse du Gange, qui a une apparence un petit peu variante, c'est-à-dire qu'on le voit éléphant, à la fois éléphant et crocodile, avec une queue de poisson et des parties végétales. Donc du coup, on a estimé que c'était une espèce d'élémentaire aquatique qui ressemble à ça, du coup. Ensuite, on a, sur le thème de la dragonouille, une dragonouille, qui est juste une des créatures de mon univers que j'aime bien. Et que là, on a fait en mode réaliste, elle est très très cool. Merci Wolfen pour le follow, merci énormément. Bienvenue par ici. Ensuite, sur le thème des égouts, on a fait donc le Kelpie. Le sujet était un peu plus trash que ça, c'était littéralement de la merde. Du coup, on a décidé de relier ça aux égouts et on a imaginé une créature un peu plus... un petit peu plus dark cette fois-ci. Et le Kelpie est vraiment assez immonde dans ma version. Il existe dans la créature indienne, hein, je précise, on n'y croit pas. Hein. Oui, c'est ça, il existe dans la culture indienne, bien sûr. Donc le Kelpie en mode un peu plus dark, il y en a 4 pour être exact. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de les croiser dans les égouts, ceux-là. Et pour finir, le dernier monstre, on a sur le thème de Silver le chien, qui est un chien, je ne sais plus quelle race. Mais du coup, on a fait une espèce de serviteur d'Anubis, qui est un chien qui vit dans des grottes à cristaux et qui est couvert de cristaux lui-même. Voilà. Et du coup, qu'on trouve en Égypte. Voilà, voilà. Du coup, c'est toutes les créatures qu'on a fait. On a encore 2 créatures à finir et on aura fini l'intégralité du bestiaire. C'est quand même pas rien. Hâte après de faire tous les autres éléments qui iront avec. Hein. Il y aura le personnage principal, l'exploratrice, qui sera notre personnage pour le bestiaire. Faire tous les croquis qui vont accompagner les illustrations. Il y aura sûrement aussi des dessins, un seul dessin d'une créature en dehors de son environnement, peut-être, on verra. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. J'ai envie de faire des cartes, j'ai envie de faire des petites histoires. Ça va être très cool. Et on verra quelle forme ça prendra. On verra. On verra à quel point je pourrais être ambitieuse sur le sujet. Mais si j'arrive à aller au bout de mes ambitions, j'aimerais bien faire soit une campagne Ulule, soit une campagne de précommande avec plusieurs versions. Il y aura une version numérisée, ça c'est sûr. Une version avec le livre en mode super beau, une version un peu plus pratique, enfin un peu moins chère, un peu plus économique, et avec des goodies et tout ça. Ça, ce serait mes ambitions maximum. Maintenant, on verra à quel point j'arrive. Une collab avec Alexis, avec ses cartes de voyage, ce serait très cool. Je sais pas s'il serait chaud pour le faire, parce que c'est déjà beaucoup de boulot, lui, ses cartes postales à faire. Mais en vrai, ce serait tentant, parce que ce serait un bon concept à voir. Potentiellement, si je peux le payer pour faire ça, peut-être. Enfin, je peux le payer, vous allez comprendre, hein, on habite ensemble, donc évidemment, quand je dis si je peux le payer, c'est pas parce qu'il est chiant et qu'il me demanderait de le payer spécialement, mais c'est juste parce que ça prend tellement de temps à faire qu'il faudrait qu'il puisse se libérer du temps, et pour ça, il faudrait qu'il soit payé. Du coup, à voir. Mais en tout cas, on en a fini avec ce marathon. Malheureusement, on n'aura pas remporté l'objectif de finir les 4 illustrations, c'était un peu beaucoup, mais comme d'habitude, j'ai tendance à mettre la barre un peu haut dans mes objectifs de timing, mais c'est parce que j'ai une très mauvaise conception du temps, hein. C'est juste ça les gens, en vrai. À chaque fois, la seule raison pour laquelle je galère autant à donner les bons timings et tout, c'est juste parce que j'ai aucune conception de tout ça. Mais bon, dans tous les cas, on a fait beaucoup de taf, on a fini 26 illus, il nous en reste 2. La semaine prochaine, je pense que du coup, on fera un live pour continuer le bestiaire, parce qu'on est bien lancé, donc je pense qu'en vrai, dans les 2 prochains lives, ce sera fini. 2-3 lives, donc c'est bien.
C'est le dernier live de la semaine, du coup je vous parle un petit peu du planning. Donc il devait y avoir un live à la base le dimanche soir où on allait commencer notre nouveau let's play sur Layton et le destin perdu. Malheureusement dimanche soir j'ai des amis chez moi donc pas de live, mais on va faire ça lundi prochain. Donc je suis pas sûre tout à fait encore du programme pour la semaine prochaine, mais sachez-le, le prochain live ce sera lundi soir prochain à 18h et on se fera un petit live gaming. Et la semaine prochaine, on aura sûrement... Merci beaucoup, Ayla. Merci, Ayla, pour le follow, ça fait trop plaisir. Du coup, la semaine prochaine, on aura sûrement un live Gameuse. Ou peut-être deux live Gameuse. Ouais, on fera deux live Gameuse, un live bestiaire et un live Let's Play and Draw. Voilà. Donc, si vous savez pas ce que c'est comme type de live, n'hésitez pas à regarder en dessous, dans la description, dans les à propos. Vous devriez être capable de voir... tout est expliqué, hein, basiquement. Tout est expliqué. En tout cas, merci beaucoup à la Rediff d'avoir regardé, merci d'avoir suivi le marathon jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter quelle est votre créature préférée, ce que vous avez hâte pour le bestiaire. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Ciao, bye.